Bonjour, bonjour à toutes et tous. Je suis heureuse de vous retrouver pour la seconde session des Assises de la Sagesse. Pour ceux qui nous rejoignent ce jour, je suis Aline Mingot, présidente des Chemins du Vivant. Je me réjouis de vous accompagner jusqu'à 20h en ponctuant les différents moments. C'est avec joie que nous vous accueillons pour ces deuxièmes Assises de la Sagesse, encore plus nombreux que lors de la première édition et celle de dimanche dernier. Vous êtes 1300 à vous être inscrits. J'adresse à nouveau un grand merci à l'équipe renouvelée des bénévoles qui ont tant œuvré pour rendre possible ce moment. Merci donc au comité source, au comité communication, notamment à Dominica, notre webmaster. Je n'oublie pas non plus nos chers messagers qui ont depuis plusieurs mois ensemencé leur territoire en faisant connaître cette initiative à travers leurs rencontres et la distribution de flyers. Et un énorme merci également à Thibaut pour la technique. J'exprime également ma reconnaissance à celles et ceux dont vous faites partie qui ont diffusé cet événement autour d'eux en France et à l'étranger. Aujourd'hui, nous sommes sur le continent africain, américain, asiatique et européen. Merci également pour vos messages de gratitude et pour vos dons. Nous ne nous voyons pas, mais nous sommes reliés par le cœur, par cette envie commune de découvrir et de partager la vision de chacun et chacune de nos invités, témoins et ambassadeurs de la sagesse. Permettez-moi, en votre nom et au nom des membres des Chemins du Vivant et des Assises de la Sagesse, de remercier vivement tous nos invités qui ont répondu à notre appel. Nous sommes très honorés d'avoir reçu le parrainage officiel de M. Edgar Morin. Il va sans dire que pour toute l'équipe des Assises, il s'agit là d'un immense honneur et d'une grande responsabilité, celle de se montrer digne d'une telle distinction, venant d'un homme au destin exceptionnel que je vous invite à découvrir. Les Assises de la Sagesse sont au service d'une véritable culture de la paix. Elles reprennent un flambeau déjà porté par de nombreuses et belles initiatives intertraditions. Il revient à nous comme à vous que cette lumière éclaire enfin l'obscurité du monde moderne. Nous souhaitons rassembler par tout ce qui nous unit et converger vers le haut et le un. Pour cette seconde session, nos invités offriront une réponse à la question « La sagesse, quel bienfait pour l'humanité ?» en envisageant les applications éthiques de la sagesse dans nos modes de vie contemporains à travers leurs projets et leurs expériences. Aujourd'hui, notre session se déroulera ainsi. Un hommage à un grand témoin de notre temps, Pierre Rabhi, suivi d'une introduction par Frédéric Lundrup. Suivront 15 minutes de conférence par chacun et chacune de nos invités. Nous laisserons après chaque conférence un temps de silence pour intégrer et apprécier leurs propos. La première partie terminée, il y aura une pause d'une dizaine de minutes. Nous nous retrouverons ensuite, dans la deuxième partie, autour d'une table ronde avec nos invités, suivi d'un temps de réponse à vos questions, ce moment sera animé par Philippe Yacine. Et la conclusion sera assurée par Frédéric Lundrup.
Ces assises sont vos assises. Aussi, vos questions ont toute leur place. Maintenant, abordons donc ce point particulier des questions. Comment et quand poser vos questions? Comment faire? Pour poser votre question, à partir de votre ordinateur, tablette ou téléphone, utilisez en bas de votre écran Zoom la fonction Q et R. Attention, ne pas utiliser l'onglet discussion qui sera inactif. Pour que votre question nous soit communiquée, pensez à la valider avec la touche Entrée de votre appareil. Merci également de préciser si votre question s'adresse à tous les invités ou à un en particulier. Quand poser vos questions? Elles seront à poser tout au long de la première heure et demie quand nos invités s'exprimeront tour à tour. Attention, nous ne prendrons pas les questions envoyées pendant la pause. Merci de votre compréhension. Dominika et Rahma, la porte-parole des messagers, feront une synthèse des questions qui seront ainsi proposées aux intervenants lors de la seconde partie des assises. Merci pour votre attention. Maintenant est venu le moment d'accueillir Frédéric Lundrup pour inaugurer la seconde session des Assises de la Sagesse. Cher Frédéric Lundrup, un grand merci pour votre présence à nos côtés. Vous avez répondu spontanément à l'invitation de Philippe Yacine pour construire avec lui cette deuxième édition des Assises de la Sagesse. Vous avez ainsi généreusement partagé avec nous votre dynamisme et votre créativité. Instructeur du Dharma et facilitateur de méditation pleine présence, vous avez fait une retraite de 3 ans dans la tradition tibétaine, sous la direction spirituelle de Denis Rinpoche. Apprenti au service des enseignements du Bouddha et de la communauté Rime depuis 20 ans, vous êtes auteur de nombreux articles. Vous organisez de multiples rencontres intertraditions dans une vision humaniste d'unité dans la diversité. Vous vous intéressez à la rencontre de la sagesse du Bouddha avec notre vie d'aujourd'hui, notamment dans les domaines de l'écologie. Vous allez rendre hommage à Pierre Rabhi. Cher Frédéric Lundrup, nous vous écoutons. Pensez à activer votre micro, cher Frédéric Lundrup. Merci, merci beaucoup Aline. Merci et bonjour, bonsoir à tous. Et je vais aussi commencer par remercier aussi Philippe Yacine qui est à l'initiative de ces Assises de la Sagesse, ainsi que toute l'équipe des Chemins du Vivant, l'association qui est à l'origine aussi de cette initiative et tous les messagers de la sagesse. Et dire aussi que je suis enchanté de faire connaissance de nos amis Zarina et Jean-Pierre qui vont intervenir tout à l'heure et enchanté de retrouver des amis de longue date que sont Frédéric Bosquet et Mathieu Labonne. Et puis aussi, merci Aline, tu as annoncé déjà la bonne nouvelle, c'est une bonne nouvelle et émouvante nouvelle. Edgar Morin, qui est aussi un ami de longue date, nous a fait le grand honneur de parrainer les Assises de la Sagesse. Et il est également le parrain de Terra, qu'anime Frédéric Bosquet, qui va intervenir aujourd'hui, et aussi le parrain de la Buddha University, qui a été fondée par Denis Rinpoche, qui intervenait la semaine dernière. Donc, merci beaucoup à Edgar Morin pour son accompagnement et sa bénédiction d'une certaine façon. Et alors, nos Assises de la Sagesse ont 2 sessions. Il y a eu une première session dimanche dernier dont le thème était autour de la sagesse comme fond et pratique spirituelle et auquel ont participé Swami Amrita Jyoti, représentante d'Ama en France, et puis le père Dautet, qui est prêtre orthodoxe, et puis Denis Rinpoche, qui est lama enseignant, maître bouddhiste, et Philippe Yacine,
qui est aussi soufi. Et nous avons eu un échange autour de l'unité dans la diversité, qui est aussi le thème d'aujourd'hui, dans le contexte des traditions spirituelles en particulier. Et bon, on peut dire qu'il s'est révélé qu'en effet, il y a bien un fond d'unité en lequel se retrouvent les traditions spirituelles authentiques, un fond expérientiel, et aussi, bien entendu, une diversité d'expression qui est aussi la richesse de notre patrimoine, du patrimoine, on peut dire, de l'humanité. Et puis aujourd'hui, notre thème, c'est l'application finalement éthique de la sagesse dans un mode de vie, dans notre mode de vie contemporain. Et les deux sont reliés. Bon, une des vocations des Assises de la Sagesse, c'est justement de mettre en valeur la sagesse et de relier à la fois sa dimension intérieure, on peut dire spirituelle si on veut, et sa dimension extérieure qui est dans la relation à notre environnement, la relation à nous-mêmes, la relation aussi avec autrui. M'a invité à le faire Aline, j'aimerais commencer par rendre hommage à un très cher ami, Pierre Rabhi, que beaucoup d'entre nous ont connu et admiré, et aussi ont été inspirés par son œuvre. Et j'aimerais commencer par citer quelques mots d'Edgar Morin, qu'il a posté, qu'il a tweeté justement pour rendre hommage à Pierre Rabhi. Et voilà ce qu'il écrit. Les pieds sur terre, le regard sur notre terre, Pierre Rabhi pensait et agissait à la fois pour renouer le lien entre l'homme et la nature et pour réformer notre civilisation. Je partage le chagrin de tous ceux qu'il a éclairés. Edgar Morin. On pourrait s'arrêter là donc, pour ce très bel hommage et simplement peut-être de ajouter, si je puis dire, que Pierre a été une des figures qui a pris le risque de dire non, de remettre en question, on peut dire, la mécanique des temps modernes. Je pense au film de Charlie Chaplin et il a dit non à ça. Il a très bien expliqué dans son œuvre et dans sa biographie. Et il a tenté de remédier, disons, aux carences de ce qu'on a appelé aussi la crise du monde moderne. Et il a changé le monde en commençant par lui-même. Depuis l'expérience pionnière qu'il a menée avec sa famille en Ardèche, il a fait de son savoir-faire ancestral avec la terre et de son savoir-être humaniste une philosophie de vie, une philosophie du vivant et aussi l'embryon d'une société et d'une économie réconciliée avec la nature qui donne la primauté aux valeurs humaines essentielles. Donc, ce n'est pas rien et on peut remercier grandement Pierre pour cette vie qu'il a menée au service du vivant. Et il a semé aussi des slogans très fertiles qui vitalisent notre paysage, l'insurrection des consciences, souvenez-vous, la sobriété heureuse et soit le changement que tu voudrais voir advenir. Il a aussi peut-être repris de Gandhi. D'une certaine manière, Pierre était un Gandhi contemporain. Et il a donné à tout ça une réalité sociale, ce qui n'est aussi rare, une réalité sociale à travers toutes les organisations qui sont nées de son inspiration, le mouvement Colibri, Terre et Humanisme, l'écolieu des Amanins et de proche en proche aussi la coopérative Oasis dont Mathieu va nous parler aujourd'hui certainement. Il a été le parrain de l'écocide d'Avalon, mais aussi de Sœur de Solan, etc. Simplement, je pourrais conclure cet hommage qui en fait ne finirait pas, mais avec quelques mots de lui. À quoi décidons-nous d'employer notre énergie et notre temps, disait-il. À quoi décidons-nous de participer? À la maladie ou à la guérison du monde?
J'ai appelé à une insurrection des consciences. Nous ne nous en sortirons pas sans une révolution des mentalités, une révision profonde de nos manières de voir, de penser et d'être. Peut-être juste quelques secondes de silence en hommage à Pierre. Et aujourd'hui, donc ce soir, le thème qui nous réunit est « Qu'est-ce que la sagesse peut nous apporter aujourd'hui ?» Et le sous-titre, on va dire, c'est « L'unité dans la diversité, une éthique pour un nouveau mode de vie ». Donc, je remercie aussi nos chers amis invités qui ont accepté de venir partager avec nous leur vision et leur expérience. Et on peut dire que face à la crise multiple, c'est une façon aussi de parler qu'utilise Edgar Morin, la crise multiple que nous connaissons, et notamment la crise écologique, qui est d'une certaine façon le paroxysme de la crise du monde moderne. Et dans ce contexte, et nous souhaitons que les assises de la sagesse soient une contribution à ce recours qu'a toujours été depuis la nuit des temps la sagesse dans la vie en général, même quand tout va bien, mais surtout quand les choses sont difficiles. Et alors, peut-être aussi pour alimenter notre méditation, notre réflexion, nos échanges, je pourrais dire quelques mots sur les mots qui structure là cet intitulé, d'abord sagesse. Alors, peut-être proposer quelques compréhensions de ce que l'on entend par sagesse. Très simplement, on peut dire que il y a deux éléments essentiels qui me paraissent être le fond de la sagesse. C'est d'une part la connaissance de soi, la connaissance de son esprit, de son cœur, la lucidité, la compréhension de soi-même et, d'autre part, l'altruisme. On peut résumer aussi ça d'une façon avec deux mots qui sont l'intelligence et l'amour, philosophia, l'intelligence et l'amour. Et deux pôles fondamentaux de la sagesse, comme l'a rappelé aussi la dernière fois Denis Rinpoche. Dans l'histoire de l'humanité, on peut dire que ce n'est que récemment, avec la modernité, que la sagesse n'est plus que rarement considérée comme une référence, une orientation, une boussole même. Et ces assises que nous proposons sont une contribution à la réhabilitation de la sagesse dans nos préoccupations, dans nos priorités, dans nos pensées, dans nos actes, dans notre éducation, une éducation à tous les âges de la vie. Et on aimerait pouvoir avoir un cours de sagesse dans les écoles. Aujourd'hui, on commence à discuter du bienfait de la méditation dans les écoles, bien que ça fasse débat, mais c'est une et on pourrait aussi avoir un cours de sagesse qui serait extrêmement profitable. Et comme nous le rappelait par ailleurs Edgar Morin, il y a plusieurs sagesses. Il y a sagesse extérieure, sagesse intérieure. Mais il y a une unité, au fond, qui se trouve dans notre corps, peut-on dire, dans notre parole, dans notre cœur, dans notre esprit, dans notre état d'homo sapiens et dans la nature, d'une certaine façon. C'est la sagesse dont nous parlons n'est pas une sagesse dogmatique, c'est une sagesse naturelle, une sagesse expérientielle qui précède les religions et les philosophies. Et qui, d'une certaine manière, leur a donné naissance.
Et cette sagesse que nous aimerions partager n'est pas enfermée dans des concepts, dans des mots, dans des dogmes. Et j'aimerais à ce sujet rappeler la très fameuse phrase qui commence un des grands livres de sagesse de l'humanité, hein, qui est le Tao Te Ching, le canon du Tao, hein, de la tradition chinoise, qui commence par dire « Le Tao ou la voix qui peut être dite n'est pas la voix, ou le nom qui peut être dit n'est pas le nom fondamental. » Et dans notre contexte aujourd'hui, enfin, notre contexte occidental, peut dire judéo-chrétien et musulman, on pourrait dire Dieu, le Dieu nommé Dieu, n'est pas Dieu. Et c'est une sorte de prévention, de remède à toutes les guerres de religion, je puis dire. Et donc, la sagesse est de cet acabit. Elle est d'abord l'expression d'une expérience plutôt que l'affirmation d'un dogme. Et c'est aussi une recherche, une quête qui anime le cœur humain depuis les origines. Et d'une certaine manière, c'est aussi une éducation, un entraînement. Et encore une fois, nous aurions besoin aujourd'hui d'une alphabétisation de la sagesse, hein, avec des lettres et des silences, d'une certaine manière. Savoir aussi trouver les racines de la sagesse dans la contemplation. Et cette sagesse a un caractère premier ou primordial. Et primordial, premier au sens où elle nous ramène à notre expérience humaine première, avant les élaborations, les complications, on va dire, les complications mentales. Et elle suppose d'être, bien entendu, elle n'est pas gratuite d'une certaine manière. Elle suppose d'être dévoilée, d'être développée. Elle a un côté, semble-t-il, naturel, spontané, mais aussi elle suppose d'être découverte et cultivée. Et nous avons pour ça des moyens qui sont dans notre patrimoine. Notre héritage humain, que ça soit celui d'Orient et d'Occident. Donc, nous avons à la portée de la main, à la fois dans notre cœur et dans notre esprit naturellement, et à la fois dans notre héritage, les moyens de développer et de partager cette sagesse. Alors après, un autre élément de notre intitulé, c'est l'unité dans la diversité. Et cette unité dans la diversité, elle s'exprime dans tous les aspects du vivant. Et par exemple, aujourd'hui, tout ce que nous sommes ici, réunis, sont une expression de l'unité dans la diversité. Regardez la diversité d'engagement de chacun d'entre nous. Et en même temps, qu'est-ce qui nous réunit? Quel est le dénominateur commun qui nous réunit? Eh bien, j'aurais tendance à dire ou à proposer que c'est cette inspiration naturelle de la sagesse, cette inspiration qui habite le cœur et l'esprit humain depuis l'aube des temps. C'est l'aspiration au bonheur, l'aspiration à la connaissance, l'aspiration à l'harmonie, au partage, à la coopération, les valeurs humaines universelles qui habitent le cœur humain. Donc, cette unité et cette diversité ensuite d'expression et d'engagement qui contribue à la réalisation de la sagesse. Et puis, dans l'intitulé, il est aussi question d'une éthique pour un nouveau mode de vie. Et alors, on peut se demander si c'est vraiment un nouveau mode de vie, puisque, comme le rappelait notre parrain Edgar Morin, le chemin vers l'avenir passe par un retour aux sources. Et il me semble que le sagesse et source sont deux mots qui s'éclairent l'un l'autre. Et la sagesse est semble-t-il d'abord une source vive, parce que
ça me semblait intéressant de faire ce rapprochement parce que tout vieillit. Alors nous, on vieillit, les religions vieillissent, les sociétés vieillissent, les civilisations vieillissent, et la nôtre, celle de la modernité, est exsangue, on peut dire. La crise écologique, sixième extinction massive, hein, on sait, est de ce point de vue, disons, sans ambiguïté, sans pitié. Mais la sagesse ne vieillit pas. En tout cas, la sagesse authentique, elle est vive, jeune, fraîche, on peut dire. Et c'est dans cette fraîcheur qu'elle est féconde. C'est une source de richesse, de véritable richesse. Et ça me rappelle le livre de Patrick Vivray, qui est aussi un contributeur de ce mouvement de sagesse, on peut dire, qui a fait un très beau livre qui s'appelle « Reconsidérer la richesse ». Et la sagesse, c'est ce qui nous permet de reconsidérer la richesse. C'est peut-être aussi le moyen, le levier qui nous permet de changer de paradigme, vous voyez, de rapport à la consommation aussi. Reconsidérer la richesse à partir de l'intérieur. Et, ou alors, ça me rappelle aussi les saillies du scientifique Aurélien Barreau, hein, qui dit qu'il s'agit aujourd'hui, ce dont nous avons besoin, c'est d'un changement axiologique, c'est-à-dire un changement de valeur fondamentale. Et la sagesse est la ressource, peut-être, qui peut nous permettre d'accéder à ce changement de valeur fondamentale. Et donc, ce n'est pas une sagesse pauvre, ni mièvre, mais une sagesse juvénile, j'ai envie de dire, ardente, révolutionnaire même, comme l'ont été les grands sages, les grands humanistes, mais aussi les grands prophètes en leur temps, hein, de l'humanité. Et donc, c'est une sagesse flamboyante, on pourrait dire, une sagesse qui réchauffe le cœur, qui apaise les tensions et qui éclaire l'intelligence. Donc, en tout cas, c'est une ode à la sagesse que ces assises de la sagesse. Et enfin, pour dire que cette sagesse aussi a un élément très particulièrement important, semble-t-il, c'est qu'elle a une dimension intérieure. Elle appelle à une connaissance intérieure, la connaissance de soi, une connaissance intérieure. Edgar Morin nous appelle à la connaissance de la connaissance, à faire la critique de la connaissance, de connaître les carences de la connaissance qui sont source de terribles conflits. Une connaissance erronée amène à des aberrations qui amènent à la terreur, jusque dans ces aspects les plus excessifs. Et la sagesse est non seulement la connaissance de la connaissance, la capacité à critiquer ses propres modes de connaissance, mais même une connaissance qu'on pourrait dire contemplative, c'est-à-dire une connaissance qui se connaît elle-même, au-delà des concepts et des théories. Et ça semble être un des points très importants qui peut nous permettre de redécouvrir notre nature et notre rapport à la nature et au monde que de redécouvrir la connaissance contemplative, donc à travers la méditation. Et la méditation est une assise. La méditation est littéralement la pratique des assises de la sagesse, d'une certaine façon. Voilà, et je voulais dire aussi peut-être en conclusion que ce n'est pas nouveau, en fait, au contraire même, puisque cette éducation à la sagesse a animé toutes les grandes, toutes les communautés humaines depuis l'origine, et les philosophes grecs ou latins, comme les sages orientaux, ont créé des écoles de sagesse, des écoles de vie qui étaient qui inspiraient en fait leur environnement et les sociétés. Et aujourd'hui, nous pouvons faire de même. Les anciens, on peut dire, n'ont pas attendu que les dirigeants deviennent meilleurs ou bons. Ils ont utilisé leur liberté, et nous sommes encore libres aujourd'hui, et donc nous pouvons utiliser notre liberté pour créer ces écoles de sagesse
et contribuer, amener notre contribution justement à un monde meilleur. Et je et aujourd'hui, enfin la preuve que c'est possible, c'est que nous sommes là et parmi nombre d'entre vous, certainement nombre d'entre nous travaillent dans ce sens et particulièrement nos invités sont des créateurs d'oasis, comme les appelait Pierre Rabhi, hein, des oasis qui sont des sources de renouveau. Et on peut aussi commencer l'oasis par soi-même, c'est-à-dire qu'on peut être à soi-même son propre oasis à travers une démarche de sagesse, de aussi contemplative. On peut dire que le premier oasis est celui de notre corps et de notre cœur et de notre esprit, et à partir duquel procède notre relation aux autres et à la nature et à l'environnement. Donc, les oasis et toutes les expériences similaires dont nous allons parler aujourd'hui naissent et se développent grâce à des sources de sagesse, semble-t-il. Donc, et nous allons pouvoir aujourd'hui en évoquer toute la créativité et le génie de la sagesse qui s'exprime dans les oasis et les expériences similaires. Mes amis, je suis profondément heureuse d'être là avec vous dans cette réunion, dans cette union. Dimanche dernier, les intervenants ont réalisé par leurs propos, par leur présence, l'unité dans la diversité. Philippe Yacine m'a invité plutôt à partager mon expérience. Et Denis Rinpoché, d'ailleurs, dimanche dernier, a souligné que l'expérience rassemble. Alors, je vais partager mon cheminement vers cette unité à travers la diversité qui était déjà dans ma vie dès ma conception, dès ma naissance. Je suis la fille d'un père indien musulman, d'une mère russe orthodoxe, née à Tunis, parce que mes grands-parents russes blancs ont fui la révolution d'octobre, et je suis née moi-même dans cette colonie russe de Tunisie. C'était alors un protectorat français aussi, donc je suis française. Et si j'écris aujourd'hui, si je parle en français, c'est parce que la Tunisie était française. Mes parents, couple mixte, le premier couple mixte d'un très jeune pays alors, qui s'appelle le Pakistan, ont dérangé tout le monde. Les Anglais, les Français, les Indiens, les Pakistanais, tout le monde était dérouté. Et lorsque j'avais 3 ans, j'ai assisté dans la rue à Karachi à la lapidation de ma mère. Cette foule hurlante qui voulait la mort d'une femme chrétienne parce qu'elle a épousé par amour un musulman. Cette scène, l'incompréhension générée par cette scène pour l'enfant que j'étais, ont fondé tous mes actes depuis et forgé mon chemin. Ma mère a survécu, mais nous avons dû aussitôt fuir, elle et moi, car j'étais le fruit du péché, la prochaine cible. Avant notre séparation définitive, mon père, qui lui reste au Pakistan, dédié à sa mission de construire un pays de paix, dit à ma mère: donne ta religion à notre fille. Tu ne connais pas assez l'islam pour le lui transmettre. Alors donne-lui ta religion, parce que la religion structure l'être, quelle qu'elle soit. Cet homme si pieux, qui s'appelait Salahuddin Khan, ce qui veut dire le pilier de la foi et aussi le chef, m'a transmis alors toute sa sagesse. En une phrase, je ne l'ai pas revu pendant 33 ans et puis à peine quelques jours dans ma vie. Mais cette phrase m'a porté et me porte. Une phrase, quelques mots formés de lettres qui s'enlacent les unes aux autres. Et tout devient possible.
l'impossible se tord sous la puissance du verbe, parce que derrière les mots se tient le cosmos, ce qui en grec ancien signifie l'ordre du cosmos. Peu après cet exil forcé, j'ai reçu le trésor des lettres de l'alphabet et je les ai aussitôt aimées, toutes si différentes qui enfantent la pensée, si diverses et qui s'unissent pour porter le sens. Musulmane à ma naissance, orthodoxe russe à 4 ans, c'est moi-même qui choisis mon prénom chrétien et je choisis Marie l'Égyptienne, élevée ensuite dans un couvent par des dominicaines, je serai aussi la belle-fille du second mari de ma mère, protestant, allemand et accessoirement ancien nazi. Très jeune, j'épouse un juif d'origine polonaise dont la famille a été déportée, exterminée dans les camps d'extermination. Mais les religions sont là, elles s'entrelacent en moi dans leurs enseignements. Elles sont unies en moi, mais les communautés qui les animent ont du mal à m'accepter car je n'en choisis aucune. Je navigue entre elles, embarcation encore frêle qui se heurte aux récifs de l'intolérance, aux écueils de la non-appartenance, à l'exclusion. Je ne suis chez moi nulle part, je suis exilée de tous les pays, de toutes les appartenances. Exilée de la terre, où aller, comment devenir dans cette solitude. Et c'est dans l'alphabet, dans les lettres de lumière qu'apparaît à l'enfant que j'étais le seul refuge possible. À 4 ans, j'écris mon premier tout petit poème, cri de ma douleur. Et je le lis à mon institutrice et je vois son visage s'illuminer. Et elle me dit, c'est beau. Et alors, tout à coup, je comprends que la souffrance peut produire de la beauté et procurer de la joie. L'alchimie est là, prodigieuse. La souffrance est la matière de la joie qui amène à l'élévation. Et dès lors, je vais aiguiser l'instrument qui va me permettre de rejoindre les autres, tous les autres, au-delà des frontières, au-delà des enfermements, la création, l'art, l'écriture sur le papier, mais aussi l'écriture du corps dans l'espace, le théâtre, parce que le corps sait ce que les mots ne savent pas encore. Et le pays unique alors se dévoile, l'espace sacré. Et j'approche cet espace avec les autres, et surtout avec ceux qui croient ne pas savoir écrire, ceux qui croient ne pas savoir dire, ceux dont la parole est enterrée par l'exclusion, pour qu'ils découvrent par l'expérience du théâtre que nous sommes chacun auteurs, acteurs, metteurs en scène de notre propre vie et que nous écrivons à chaque instant la grande histoire de l'humanité. Dans ces ateliers d'écriture et de théâtre, j'appelle les joies et les douleurs à se dévoiler pour devenir, grâce à l'ensemble, à la présence de chacun, pure beauté, pour faire œuvre. Si je parle, tu m'entends. Si tu parles, je t'écoute, tu es mon partenaire. Si je tombe, tu me rattrapes. Et avec toi, je crée. Et s'il m'est donné de me tromper, je peux répéter jusqu'à ce que la symphonie, après avoir unifié notre diversité du groupe, soit prête à unifier la diversité des spectateurs. Amoureuse de l'étymologie, j'ai appris beaucoup plus tard que théâtre vient de Théo, Dieu, et Astre, l'astre de Dieu. Je cueille, je recueille les joies, les peines,
et les mots se posent sur les lignes telles des oiseaux migrateurs qui ensuite peuvent faire tout le tour de la terre, cette terre qui ne m'offre pas de pays. La douleur du rejet, de l'exclusion se métamorphose. Si je n'ai pas de pays, c'est que je suis partout chez moi. Si je n'appartiens à aucune religion, c'est qu'elles sont toutes en moi, balises de lumière, dans la tempête déchaînée par les armées de l'ombre qui n'ont pour chef que le désespoir. Swamini, dimanche dernier, disait « Le monde est une grande famille ». Oui, en grec ancien, « oikos » signifie « la grande maison ». Notre planète, notre Terre, est une grande et unique maison qui ne tient debout que par sa diversité. « Oikos » est la racine du mot « économie », la gestion de notre grande maison, du mot « écologie », l'harmonie de notre grande maison. Et ce sens, une fois dévoilé, le sacré surgit partout, entre deux barres d'immeubles dans une banlieue qui a l'air triste et qui tout à coup s'illumine, dans un champ en friche où seules quelques fleurs font l'effort de se tendre vers le soleil. Et il se manifeste lorsque je trace un cercle de craie simplement sur le sable ou le goudron d'une cour de récréation. Vous l'avez dit, Aline, je sors actuellement de l'écriture de cette trilogie, cette année d'ermitage pendant lesquelles j'ai écrit. J'ai hésité, je voulais écrire un livre de philosophie, vu ce que le monde traverse, un livre de pédagogie. Mais c'est le récit de ma vie qui s'est imposé à moi. Le récit de mes expériences, pour que le lecteur y trouve l'écho de sa propre expérience et que nous avancions ensemble, équilibristes entre les étoiles. Le titre s'est posé tel un grand oiseau qui, après une longue traversée, ferme ses ailes. La sagesse d'aimer. Oui, les termes de la philosophie, comme vous l'avez bien dit Frédéric tout à l'heure, qui signifie l'amour de la sagesse, concept un peu abstrait pour beaucoup. Les termes de la philosophie se sont inversés et sont devenus la sagesse d'aimer. Je ne sais pas dire sagesse sans ajouter le verbe aimer. J'ai écrit ces 1200 pages pour apprendre encore, avec la distance, comment les épreuves se transforment, pour partager les chemins ardus, escarpés, et la beauté qui éclate pleine de sens au détour d'un éboulement, au détour d'un acte de barbarie, au détour d'un bombardement. Et sur ces chemins de douleur renouvelés, au bord des gouffres les plus effrayants, l'inattendu, voire l'impensé, l'émerveillement m'a enchantée. Incantare, le chant du dedans. Aimer est un verbe vertigineux et pourtant simple, qui trouve sa source dans l'essentiel. Mais aimer non pas ce qui est aimable, car cela, c'est plus de l'ordre de l'affinité, de l'attraction. Aimer ce qui ne nous est pas agréable, qui ne suscite aucun désir. Aimer l'autre qui ne nous plaît pas, avec lequel nous ne sommes pas d'accord. Aimer tout ce qui est parce que c'est. Aimer l'autre parce qu'il est ou a été vivant, et qu'il fait partie de cet ensemble en devenir, en mouvement incessant, parce qu'il joue avec nous, dans ce grand orchestre de l'humanité, la symphonie d'un monde en perpétuelle création. Et puis aimer ce que nous ne connaissons pas. Socrate,
mon cher compagnon de route, Socrate m'a appris le sens du verbe connaître. Cum nascere, naître à soi, avec l'autre. J'ai découvert qu'à chaque pas, nous nous enfantons nous-mêmes, nous accouchons du soi, de l'être qui demande à s'élever en soi, avec l'autre, cum, grâce à l'autre. C'est Socrate aussi qui m'a appris la maïeutique, à accoucher la pensée de l'autre dans le dialogue, et j'y ai trouvé les fondations d'un théâtre qui rassemble. Je ne peux pas partager avec vous toutes les expériences d'émerveillement que j'ai eues à travers le monde grâce à ces ateliers. Je n'en partagerai qu'une. Les autres, vous les trouverez dans l'œuvre à la joie si vous voulez continuer. En 1992, à Sarajevo, la guerre éclate en Europe. Sarajevo, la ville de toutes les religions enlacées, où la mosquée, la synagogue, l'église orthodoxe, la cathédrale forment l'architecture de la même et unique rue, sont sur le même trottoir pour y accéder. Sarajevo est assiégé. Je suis à ce moment-là précisément en train de répéter une pièce d'Eschyle, un autre grand compagnon de route qui a fondé le théâtre pour rassembler la cité. Et c'est une pièce sur la guerre, la fin de l'histoire d'Œdipe, les sept contre Thèbes. Et je suis là à la cartoucherie de Vincennes lorsque j'apprends que la guerre a éclaté et j'entends à la radio les mots. La même douleur que celle qui est dans Eschyle 2500 ans auparavant. Et c'est Eschyle qui m'envoie à Sarajevo, qui m'intime d'y aller, comme les bûcherons vont pendant leur congé couper du bois pour ceux qu'ils ne connaissent pas, comme les infirmières vont panser les blessures. Je vais partir collecter dans l'abomination la grandeur de l'humain. 1er octobre 1993, un obus est tombé juste avant la rencontre prévue avec un groupe que je ne connais pas, qui ne me connaissent pas. Et agité de tremblement, parce que quand un obus tombe, tout tremble, la rue, le sol, la terre, les vitres brisées, tout tremble. Et j'arrive un peu à garde sur la place de notre rendez-vous. Et là, 14 adolescents se tiennent debout. Ils attendent l'inconnu qui vient de France. Et lorsqu'ils me voient apparaître, ils sourient, un sourire qui embrasse l'univers. Ils sourient parce que je suis vivante et je souris parce qu'ils sont vivants. Et que nous est donné de vivre cette improbable rencontre. Lorsque je leur demande, en les grondant un peu, pourquoi ils ne sont pas allés vite se réfugier aux abris, ils me répondent, mais nous avions rendez-vous, nous ne pouvions pas rater le rendez-vous. Et là se confirme ce que j'ai toujours senti au fond de moi. Vivre, c'est être au rendez-vous, au risque de sa vie. Ils m'ont appris aussi autre chose de fondamental. Je n'avais obtenu de l'ONU que 7 jours d'autorisation pour aller à Sarajevo. 2 jours pour l'aller-retour en avion militaire, donc 5 jours seulement. 5 jours pour écrire, pour créer. Et là, j'ai compris que le temps n'existe pas. Là, j'ai compris, peut-être s'il existe, il est relatif, comme le disait Einstein, mais tellement relatif, parce qu'au rythme des tirs que nous entendions sur la ligne de front toute proche, c'est sans hâte que nous avons écrit, que nous avons joué
monter l'œuvre, le dictionnaire de la vie. Nous avons joué 3 fois dans 3 quartiers différents et le public est au rendez-vous, l'avenir est debout. Un hymne à la paix est né au cœur de la guerre. Depuis, la pièce a fait le tour de la terre. 2 ans après, mon temps, à moi, il existe. Mais je termine. 2 ans après, c'est grâce à un journaliste que j'ai découvert que dans ce groupe, il y avait des musulmans, des catholiques, des orthodoxes, des juifs. Qu'ils étaient presque tous des enfants issus de couples mixtes. Nous n'avions jamais eu besoin d'en parler, dédiés à la foi qui nous portait au service de la paix. Et c'est ce paradoxe sur lequel je vais terminer. Ceux dont nous avons cruellement manqué, nous pouvons l'offrir à d'autres. C'est là que se love la sublime réparation, l'alchimie fondamentale. Ce que je n'ai pas reçu, je te l'offre, à toi que je connais sans jamais t'avoir rencontré. Et ainsi, ces adolescents du cœur de la guerre ont offert un hymne à la paix. Avec les pierres de leur douleur, ils ont construit un pont, ce pont sacré de la grande famille. Les militaires parlent d'opération lorsqu'ils lancent une offensive, mais le même mot sert à opérer le corps malade, le purifier, le délivrer de ses scories. Opérer, c'est coopérer aussi, et s'ouvre alors au guerrier de lumière l'opéra à créer. Et pour finir, bien sûr, j'ai cherché l'étymologie du mot « sagesse » et je me suis régalée, mes amis, mes frères, mes sœurs. « Sagesse » vient du mot latin « sabidus » qui a du goût, de la saveur. Alors savourons-la ensemble, savourons la magnificence de servir ce monde. Bonjour, donc moi j'ai orienté mon propos essentiellement autour des peuples racines, des peuples autochtones, que je côtoie depuis à peu près 25 ans, étant passionné par le sujet depuis au moins une quarantaine d'années. D'abord, peut-être donner quelques chiffres, parce qu'on parle d'eux, mais combien ils sont, où ils sont, on ne sait pas trop. Donc en fait, dans les derniers recensements qu'on a, je mets des guillemets aux paroles que j'emploie, hein, mais on dénombrerait 460 millions de personnes, plus de 5000 communautés sur tous les continents. Pour la petite histoire, il en reste qu'un en Europe continentale, les Samis qui vivent dans les Grands Nords. Donc ça veut dire qu'en Europe continentale, les autres peuples autochtones se sont intégrés à notre modernité, on va dire. C'est 22% des territoires, mais 80% de la biodiversité. Donc on peut dire qu'ils sont quand même les gardiens de la nature, les gardiens du vivant, et on peut dire par rapport à ce qui nous préoccupe beaucoup, en tout cas sur les problématiques de changement climatique, qu'ils ont une part de notre futur qui est une part extrêmement importante. Donc, si on pouvait commencer vraiment collectivement à les respecter davantage qu'on ne fait, à respecter leurs terres, à respecter leurs coutumes, à respecter leurs traditions, ça serait un grand pas. Un point qui me paraît important, très souvent je rencontre des gens qui idéalisent les peuples autochtones parce qu'on projette des choses sur eux, parce qu'on rencontre des chamans qui ont peut-être des capacités, des savoirs particuliers, et je pense qu'avant tout c'est des hommes et des femmes comme nous, comme chacun d'entre nous, avec leurs difficultés personnelles, leurs difficultés dans la communauté, etc. Donc, en propos liminaire, je pense que c'est important de dire ça, vraiment, ne pas les idéaliser. Après, parler quelques instants de leur vision du monde. Alors, en un quart d'heure, c'est extrêmement compliqué de résumer les choses, mais si j'essaye, ce qui nous différencie globalement, eux et nous, c'est que nous, on a segmenté le vivant avec des résultats qui sont extrêmement forts. Aline me disait au début que je suis arrivé dans ce monde, dans ce corps, avec un handicap physique. C'est sûr que les techniques et les technologies modernes m'ont énormément aidé à avoir une vie normale ou une vie correcte, on va dire.
je serais né dans une communauté autochtone, je pense que ma vie aurait été beaucoup plus compliquée qu'elle n'est aujourd'hui sur le plan fonctionnel. Mais nous, on a segmenté la vie, on a perdu de vue toute vision globale de plus en plus au fil du temps avec les progrès techniques, etc. On a vraiment segmenté le vivant, alors qu'eux ont gardé cette vision globale. Ce qui est extrêmement troublant, c'est que quand on parle avec des communautés et qu'on leur demande qui vous êtes, par exemple, ils disent que on s'aperçoit que le pronom « je » n'existe pas dans pas mal de langues. Quand ils disent « qui vous êtes », ils répondent « nous sommes ». Et en général, ce qui suit derrière, c'est une appartenance à un territoire. Nous sommes de telle ethnie, de tel territoire. Et ils disent « nous sommes la nature, nous sommes le vivant ». Donc, ils ne se sont pas sortis du paysage comme nous, on s'est sortis du paysage. Quand je dialogue avec eux depuis une vingtaine d'années et qu'on leur explique la notion d'environnement et qu'on leur explique ce que c'est un peu ce qu'on met derrière ça, en fait, hein, ben, eux nous disent qu'effectivement, c'est une vision de séparation et que tant qu'on n'aura pas pu s'ouvrir de façon individuelle et collective à une vision plus globale et moins séparée, on continuera à considérer la nature comme quelque chose de distinct de nous, qu'on peut utiliser à bon escient et sans limite, etc. etc. quoi. Donc vraiment, l'importance de ça. Une autre importance dans leur culture, c'est que, et qui est surprenante pour nous, moins parce que la science commence à rejoindre ce que disent les peuples autochtones et les spirituels depuis des millénaires, c'est que tout le vivant est unifié, tout le vivant dialogue. Donc, les arbres, depuis quelques années maintenant, on a des preuves, les arbres dialoguent entre eux. Ce qui est plus étonnant, c'est quand tu les entends dire, mais Jean-Pierre, des lacs sur des continents, l'eau qui est dans les lacs dialoguent les uns avec les autres. Les montagnes dialoguent les unes avec les autres. J'ai même un jour un chaman connu qui m'a dit, on était dans un musée, il me dit, mais les planètes dialoguent entre elles. Donc, tout le vivant, tout le cosmos est une forme de dialogue. Et eux, là-dedans, ils ont pour certains, en tout cas chez les chamans, des modes de perception du vivant qui sont étonnants. Alors, chaman ou pas d'ailleurs, parce que j'ai vécu une expérience qui m'a beaucoup troublé il y a une quinzaine d'années. Je marchais dans une forêt avec un kogi qui n'était pas un chaman, qui était un kogi qui avait été enlevé de la communauté à la naissance, qui avait été élevé dans nos écoles en Colombie, qui était reparti, qui avait fait le choix de repartir kogi à l'âge de 20 ans. Et en marchant dans la forêt, il s'appelait Arégosès et il y avait notre correspondant en Colombie à l'époque. Il s'arrête et il se met à dénombrer le nombre d'espèces d'arbres. Et en fait, il nous dit, là, il y a 6 variétés d'arbres. J'en voyais 3, 4, pas beaucoup plus. Et ce qui m'a le plus troublé, c'est la phrase suivante, c'est que quelques secondes après, il a énuméré en disant, il y a 3 variétés qui sont natives du lieu, il y a 3 variétés que vous avez transplantées, que vous avez implantées artificiellement. On est redescendu, on a rencontré dans la soirée des gens qui connaissaient la forêt, et il a précisé qu'il y avait une des espèces qui avait été implantée, qui était une espèce, on va dire, invasive, nocive, etc. Et qu'on a dialogué avec des gens qui connaissaient la forêt, ils ont confirmé totalement ses propos, et cette espèce invasive était une espèce d'arbre qui avait été implantée après la Première Guerre mondiale. C'était des pins noirs autrichiens, et effectivement, les pins noirs autrichiens, à cet endroit-là, avec les qualités du sol qu'il y a là, et ben domine toutes les autres espèces, quoi. Un point que je veux partager aussi par rapport à nous, même si faire des comparaisons, c'est extrêmement réducteur, c'est la vision du temps long qu'ils ont, alors que nous, on a un temps qui est souvent très court. Quelques mois, quelques années, on pense à nos enfants, à nos parents. Ce qui est étonnant chez ces communautés-là, c'est que chez certains, c'est très très verbalisé. Ils disent que quand ils font un acte et qu'ils décident quelque chose, ils regardent 7 générations en avant, l'impact qu'aura cette action sur le futur. Ça, c'est une chose. Mais ils vont aussi regarder 7 générations en arrière,
parce qu'ils sont dépositaires de tout ce qui s'est passé avant eux. Donc, on est au confluent du passé et du futur, et ce qu'on va faire maintenant a des conséquences à la fois sur le passé, puisque si je suis là et que je suis porteur de ça, c'est quelque part une transmission des gens qui m'ont précédé, mais aussi de l'impact que ça aura sur les communautés futures. Et c'est sûr que par rapport à ça, le temps court et le temps long, quand ils viennent ici, ou quand ils sortent de leur territoire et qu'ils rencontrent notre civilisation, pour faire court, ils sont ébahis de se rendre compte de ce qu'on peut faire à la nature et aux vivants. Ils ne comprennent absolument pas qu'on puisse déforester comme on déforeste, qu'on puisse faire des trous dans les montagnes pour aller plus vite. Un jour, on parlait tout à l'heure avec Frédéric d'un endroit dans les Alpes, et vous avez accueilli une communauté de colliers en 2004, et un des colliers était extrêmement frappé des tunnels successifs qu'il a pris pour arriver chez vous, et il a dit au responsable de l'association Tchendoukoua: pourquoi vous faites des trous dans la montagne? Pourquoi vous ne faites pas le tour? Et Eric leur a répondu: on fait ça pour aller plus vite. Et ça, c'était à l'entrée d'un tunnel, et puis quelques minutes après, ils sont sortis du tunnel, et Miguel, à ce moment-là, dit: vous voulez aller plus vite jusqu'où? C'est souvent ça qui me frappe chez eux, c'est qu'ils nous remettent devant la notion de sens. Pourquoi on fait les choses? Et très souvent, comme mon ami, alors, pas les gens qui sont là, mais j'allais dire une grande partie de la société ayant mis une valeur qui est une valeur financière au milieu, alors qu'eux ont mis d'autres valeurs de collectif, de sens et d'équilibre, c'est sûr que nos deux visions du monde se heurtent avec les conséquences que ça a. Donc ils sont extrêmement frappés de voir qu'on ne comprend pas, qu'on est intégré à la vie et que en malmenant la vie comme on le fait, on va finir par nous-mêmes aller très mal, ce qui est le cas si on regarde ce qu'on porte tous, là, les 300 qu'on est aujourd'hui là, à s'écouter, ce qu'on porte tous dans le sang en termes de pesticides et autres joyeusetés que notre civilisation nous a donné. Donc, ils nous posent sans arrêt cette question du sens quand ils viennent, et c'est vrai que c'est extrêmement surprenant. Et donc, tout ce qu'on fait à la nature, la Terre étant comme un corps, en fait, hein, tout ce qu'on fait à la nature, les déforestations, les extractions de minéraux, les extractions de pétrole, de matières, etc., pour eux, c'est comme si nous, on s'ouvrait des trous à l'intérieur du corps pour sortir une partie de nos organes, une partie du sang, qu'on s'arrachait la peau, etc. C'est ça que ça, c'est cette analogie-là qu'ils font. Et ils disent des choses par rapport au moment où on est. Ils disent que ça fait quand même 50 ans qu'ils sentent que ce qu'on est en train de faire à la nature a des conséquences dommageables, même à des endroits qui sont totalement reculés du monde, de notre monde, de notre civilisation et de notre pollution. Mais aujourd'hui, tout s'agglomère. Donc, des Indiens qui vivent, prenons les colliers, par exemple, au nord de la Colombie, voient bien que leur montagne subit des dégâts inconsidérables. L'eau des cours d'eau qui descend de la montagne devient impropre. Les neiges, qui sont des neiges éternelles, fondent. Les perroquets qui leur servent pour leur cérémonie et qui sont des oiseaux avec lesquels ils dialoguent, ont quasiment disparu de la Sierra, en fait. Donc, il dit que ça fait 50 ans qu'on voit qu'il y a des dégâts que projette votre façon d'être au monde. Ça fait 50 ans qu'on vous le dit. Ça fait 50 ans que vos scientifiques, les nôtres, les amis du GIEC et d'autres scientifiques nous disent ça. Et alors, ce qu'il nous dit, c'est a priori, on est d'accord sur le constat, et grosso modo, vous ne faites pas grand-chose ou vous ne faites rien. Et pour eux, c'est extrêmement surprenant, parce que dans la culture de beaucoup de ces peuples-là, on est plutôt en préventif qu'en curatif, comme la médecine chinoise traditionnelle. Quand il y a un truc qui ne va pas, on essaye d'effacer, d'atténuer les impacts avant que ça ait lieu.
Et eux nous disent, ben, maintenant, les impacts sont massifs, sont très forts. Et les derniers, et ce qui me trouble, c'est qu'il y a, il y a une dizaine d'années, il y a une communauté d'Indiens qui est venue en France, par exemple, et on dialoguait. Et ils nous ont dit, si ça continue comme ça, ça va chauffer de plus en plus. Bon, et ils ont employé un mot, vous aurez d'immenses incendies à certains endroits de la planète dans quelques années, ce qu'aujourd'hui on appelle les méga-feux, qui n'existaient pas il y a une dizaine d'années. Hein. Allez vous renseigner sur ce qu'est un méga-feu, c'est une catastrophe. Donc voilà, et donc... Je vois le temps qui passe, donc je vais finir mon propos. Ce qui me paraît important pour nous, en tout cas moi, ce qui m'a beaucoup marqué dans mon contact avec eux, et ce que tu disais, Aline, tout à l'heure sur mon parcours, c'est cette communion, cette communication quasiment naturelle avec le vivant qu'ils ont, qu'on a quand même pour beaucoup d'entre nous perdu, occulté, parce que aussi dans les choses qui me font rigoler, c'est que eux vivant dans la nature, se disent libres, totalement libres, et quand ils viennent chez nous et qu'ils voient nos maisons, l'électricité, nos télés, nos machins, nos trucs, ils nous disent, mais vous vivez dans des cavernes, vous vivez dans des capsules, vous vivez enfermés. Alors que nous, on a une vision de... moi, j'ai été élevé dans une situation de consommation, et c'est vrai que ça a un peu fracassé mes certitudes, si j'en avais quelques-unes, en tout cas, voilà. Donc, passer plus de temps en connexion avec soi, avec les autres, avec la nature. Voilà, je pourrais finir là-dessus. Ce qui est aussi frappant, c'est de voir qu'ils arrivent à être dans toutes les conditions climatiques de la planète. Sur les glaces, on en voit en Sibérie avec des températures qui sont absolument incroyables. Récemment, j'ai vu une émission en Éthiopie sur un peuple qui s'appelle les Afars. Regardez ça. Donc, ils vivent dans un désert, il n'y a pas d'eau, il n'y a aucune eau, il n'y a pas de lac, il n'y a pas de rivière, il n'y a rien. Donc, on se dit comment ils vivent là. Et puis, on s'aperçoit qu'en fait, ils marchent pendant des heures, des jours pour aller près des volcans. Près de ces volcans, ils font des cheminées, je ne sais pas si vous avez vu l'émission, mais ils font des cheminées le long du volcan, et ils ont inventé, il y a 800 ans, on ne sait pas hier, un système de captation et de rétention de la vapeur d'eau qui est créée par la chaleur du volcan. Et c'est avec cette eau qu'ils récupèrent dans des bâches, qu'ils boivent, qu'ils arrosent leur récolte. C'est l'eau dont ils se servent pour vivre. Donc c'est extrêmement troublant qu'on puisse vivre dans ces conditions-là. Et je voudrais finir peut-être en saluant un de mes amis qui s'appelle Franck et qui les appelle les flamboyants, parce que Franck les accompagne et est sur la planète avec eux depuis une trentaine d'années, et il dit que vivre dans les conditions dans lesquelles ils vivent, c'est quand même incroyable. Donc, je voudrais peut-être finir en applaudissant les flamboyants. Et merci pour l'image de la revue Native. Merci à vous. Merci à vous de m'avoir invité à cette magnifique... je ne sais pas comment dire, séminaire ou visio. En tout cas... Je peux vous dire que j'étais pas seul à planter les 400 arbres, sinon ça aurait été compliqué. Mais nous étions plus de 40. Et c'est vrai que c'était un moment important parce que c'est vraiment c'est un acte symbolique pour nous de commencer par planter des arbres sur ce terrain, puisque c'est un terrain nu que nous avons acheté à la mairie de Trentel. Et là, on ressort fatigué, mais une bonne fatigue, puisqu'en fait, en repartant en voiture, j'ai vu tous ces arbres planté sous forme de haies champêtres. Et puis, c'est la concrétisation d'un gros travail collectif que nous avons fait depuis plusieurs années. Et donc, je vais essayer de vous présenter le projet en 15 minutes. Alors, pour ceux qui me connaissent, c'est un challenge. Mais pour ça, je me suis fait des petits slides pour éviter de trop parler parce que je peux parler de ce projet pendant des heures. Donc, je vais immédiatement les afficher et je vais vous les présenter. Est-ce que vous voyez mon écran ?
Alors d'abord, oui, on voit. Terrain, ça veut dire tous ensemble vers un revenu d'autonomie. Ça veut dire qu'on prend tout le monde, chacun avec son style de vie, et l'objectif, c'est de relocaliser de la production durable sur nos territoires pour que chacun puisse avoir un revenu d'autonomie, c'est-à-dire un revenu qui lui permet de choisir son activité, non pas seulement pour gagner de l'argent, mais aussi pour avoir une vie telle qu'il la désire, telle qu'il imagine. Et tout le projet Terra consiste à réconcilier en fait l'économie, la finance et le bonheur. Ce que je voudrais vous dire aussi en guise d'introduction, c'est que ce projet est né à Carmaïn. Il est né pendant une séance de méditation que je faisais avec mon ami Lama Gyentse. Et je me souviens très bien qu'à un moment donné, j'ai senti que j'avais passé ma vie à imaginer mon corps comme un porte-tête. Et là, tout à coup, j'ai pris une grosse claque parce que tout à coup, pendant cette séance de pleine présence, vous avez compris que le projet, il est fondamentalement basé sur la pleine présence. Et pendant cette séance de pleine présence, j'ai pris conscience que mon corps n'était pas un porte-tête, mais que nous étions très, très nombreux à partager cet espace. Et j'ai eu envie de me réconcilier avec le monde. Et donc, je suis parti en vélo. Ça m'a pris un certain nombre de temps, d'abord avec quelques-uns de nos amis, pour aller à l'écoute en fait de ces zones rurales un peu partout en France, dans lesquelles je sentais qu'on pourrait peut-être venir habiter et reconstruire, régénérer en fait, en s'y installant, l'économie et la finance pour la remettre au service de la vie. Alors, ces tours de France, ils ont duré 3 ans. 3 ans à écouter nos campagnes, 3 ans à écouter des producteurs. Je repense en particulier à un qui travaillait 70 heures par semaine pour gagner 700 euros par mois à agrader nos sols, alors que moi-même, j'étais formateur et coach et je gagnais 2000 euros par jour. Et je peux vous dire que j'ai pris une grosse claque en me disant, mais comment ça se fait que cet homme-là qui fait ce travail-là gagne 100 fois moins que moi? Pourquoi? Et ça m'a vraiment mis une grosse claque. Et je me suis dit, mais comment je pourrais faire pour me remettre au service de ces formidables héros qui aujourd'hui ont quitté leur job et sont partis régénérer nos territoires et nos modes de vie. Et c'est comme ça qu'est né le projet Terra. Et puis après ces 2 tours de France en vélo où on a recueilli beaucoup d'informations, on a constaté 2 choses. D'abord, nos communes sont en train de mourir partout en France. Une commune sur 3 aujourd'hui est en train de mourir. Sur le plan économique et démographique, les populations vieillissent, l'économie disparaît, la finance extrait plus de 44% de l'épargne de ces territoires. Et donc, malheureusement, nos communes sont en train de mourir, alors que les communes sont les cellules de la République. Hein. Pas de communes, pas de communs. C'est bien pour ça qu'aujourd'hui, on a des problèmes de communs, parce qu'on a de moins en moins de communes, de vraies communes, pas des cités administratives. Hein. Je parle de communes où on partage les communs. Et en même temps, on a fait le constat que 50% des Français veulent quitter les grandes villes pour aller s'installer dans ces territoires. Et là, il y a quelque chose d'absolument énorme, c'est qu'on n'arrive pas à connecter les deux, en fait. C'est vraiment terrible. Et on ne peut pas connecter les deux pour quelle raison? Mais tout simplement parce qu'il n'y a pas de système financier aujourd'hui qui est capable de financer des écosystèmes coopératifs territoriaux sur la durée pour avoir le temps de régénérer en fait les activités économiques et financières sur ces territoires. Et donc, du coup, alors que là, on pourrait vraiment réconcilier les humains avec la nature, plus que ces Français qui voudraient quitter les grandes villes pour venir s'installer à la campagne, alors que ces campagnes sont en train de mourir, alors que ces petites communes sont en train de disparaître et qu'ils accueilleraient à bras ouverts ces populations, eh bien là, il y a un immense vide, il n'y a pas de pont entre ces deux mondes. Et donc, Terra avait pour objectif de créer un pont entre ces populations en transition et ces communes en train de mourir. Alors, c'est un projet qui, de suite, a été, on va dire, vécu sur la durée longue. Là aussi, c'est un apprentissage de la pleine présence. Je crois que se mettre dans l'urgence en permanence, même si on sait aujourd'hui qu'il y a une urgence, c'est un peu abdiquer son humanité, puisqu'en fait, tout ce qui a été fait de grand dans l'humanité, c'est sur le temps long. C'est avec son cortex plutôt qu'avec son cerveau reptilien. Et donc, dès le départ, on s'est dit, ben, nous, on veut du temps long et tant pis si ça s'effondre avant, mais ça se sera effondré avant. Donc, on s'est donné 10 ans, on s'est installé dans le sud-ouest de la France
D'abord à Masquière, et puis à Tournon-d'Agenais, et puis maintenant à Trentel. Et on a commencé à expérimenter une autre façon de vivre. Alors, là aussi, on s'est inspiré un petit peu des travaux d'Edgar Morin, puisqu'on voulait relocaliser toutes les fonctions vitales à ces territoires de vie. On s'est dit, on ne va pas pouvoir les faire une par une, il faut les faire tout ensemble, et faire monter ensemble toutes ces fonctions vitales aux habitants de ces territoires. C'est un peu comme un bébé qui naît, il a tous ses organes, en fait, il a toutes ses fonctions, la fonction respiratoire, la fonction musculaire, la fonction cardiovasculaire, la fonction nerveuse, bref, l'enfant, il est avec toutes ses fonctions, et c'est parce que toutes ces fonctions sont là qu'il peut se développer. Eh bien, nous, notre idée, ça a été d'aller chercher, finalement, comment on pouvait réinstaller toutes ces fonctions dans ces territoires pour pouvoir à la fois le revitaliser et accueillir des populations qui voulaient venir s'y installer. Et donc, on a développé ça avec un processus en 5 étapes. D'abord, on collecte des fonds, parce que dans ces territoires, il n'y a plus d'investissement, il n'y a plus d'argent, comme je disais tout à l'heure, on extrait cet argent via les marchés financiers, en déplaçant son épargne sur les marchés financiers. Donc, on a collecté des dons, puis des subventions, et puis de l'investissement quand ça commence à devenir marchand. Et grâce à cet argent, en fait, on a ensuite investi dans le territoire. On investit maintenant, aujourd'hui, de plus en plus. Là, sur les 8 dernières années, on a investi presque 1 200 000 euros. En partenariat avec les personnes qui sont venues s'installer. Plus de 80 personnes, habitants ou volontaires, sont venues s'installer sur le territoire. On a travaillé aussi avec des collectivités territoriales, avec des investisseurs, avec des donateurs. Donc cet argent, on l'a collecté. Et cet argent, l'objectif, c'est qu'il s'investisse dans les entreprises locales pour produire des biens et des services utiles à la population locale. Et puis, avec la trésorerie qui nous reste, comme on sait qu'au bout de 2,5 transactions, l'argent remonte sur les marchés financiers, eh bien, on l'a transformé en monnaie citoyenne locale. La monnaie citoyenne locale du territoire, c'est l'abeille. Donc, on a une petite abeille qui circule à la place de l'euro, en complément à l'euro plutôt. Et grâce à cette abeille, en fait, l'objectif, c'est de faire en sorte que cet euro reste sur le territoire et irrigue le territoire de la force économique qu'on crée. Et pour vous donner un exemple, avec un euro, on va à peu près faire entre 2 et 2,5 échanges, c'est-à-dire au bout de 2,5 échanges, l'euro il disparaît en fait sur les marchés financiers. Eh bien, avec une monnaie citoyenne locale, on peut partir là, nous on est déjà à 3,5, donc c'est déjà bien, mais surtout 3,5 relocalisé et durable. Alors qu'avec l'euro, bon, on ne sait pas d'où vient l'euro, on ne sait pas où il va, c'est vraiment terrible. Et on sait qu'on peut monter comme ça jusqu'à 6, jusqu'à 12, puisque des études ont été faites par des scientifiques qui nous montrent que grâce à la monnaie locale, on peut vraiment dynamiser un territoire nouveau. Et puis avec cette monnaie, ensuite, notre objectif, c'est de stabiliser la demande solvable du territoire, c'est-à-dire faire en sorte que les gens aient un revenu en monnaie citoyenne locale, contre-garantie par ces productions relocalisées, de telle façon à ce que les entreprises locales, les producteurs, les collectivités territoriales, ils aient face à eux à nouveau une demande solvable. Et grâce à ça, eh bien, progressivement, les entreprises se développent, recommencent à investir dans leur avenir et au bout d'un moment, elles sont même en capacité de revitaliser leur territoire et de faire à notre place ce que nous avions fait pour amorcer cette revitalisation. Et là, on voit encore une fois qu'on est dans un processus cyclique, ce que nous apprend toutes les sagesses du monde. Tout le monde connaît l'importance des saisons de la nature. Et bien là, c'est un peu pareil. Nous, on a 5 saisons, et grâce à ces saisons, progressivement, et bien on développe nos activités. Alors, qu'est-ce qu'on a fait depuis le début? La première chose, on a travaillé avec un conseil scientifique parce qu'on sait qu'on est tous très, très, très motivés, très, très passionnés. Mais il ne faut pas non plus s'illusionner. C'est très important de travailler avec des chercheurs. Donc, on travaille avec des économistes, des agronomes, des psychologues du travail. Et puis, on travaille en partenariat aussi avec des institutions, la région, le département et puis plusieurs communes en France, plusieurs communes, pardon, sur le département du Lot-et-Garonne, avec lesquelles on a maintenant des activités que je vais vous présenter pour vous donner un ordre d'idée de ce qu'on peut faire aujourd'hui en essayant d'éviter le présent. Alors, déjà, on a créé plus de 14 activités aujourd'hui. Alors, soit on les a créées parce qu'on en avait besoin, soit c'est les personnes qui les ont amenées sur le territoire. Et puis, si on regarde bien ces activités, en fait, et celles qu'on est en train de développer, elles permettent en quelque sorte de mettre en place ces fonctions dont je vous ai parlé. Donc, la première fonction, c'est bien s'alimenter.
Là aussi, la sagesse nous dit que si on n'est pas capable dans nos campagnes de produire ce qu'on mange, alors c'est vraiment que tout est foutu. Vous savez qu'aujourd'hui, la souveraineté alimentaire des villes, c'est moins de 3%. Et dans les campagnes, les gens font encore 14 km pour aller chercher à manger dans les grandes surfaces du coin. Eh bien, nous, on a relocalisé, vous le verrez, un certain nombre d'activités à travers une petite épicerie en centre-bourg. Et l'objectif est bien sûr de dupliquer ça sur notre commune. Mais il y a aussi la fonction éco-construire. Parce que la maison, c'est quelque chose, c'est un peu comme notre deuxième peau. C'est une peau qui, bien sûr, doit respirer. Et donc, on est en train de travailler avec la mairie de Trintel à la création d'un centre de formation à l'éco-construction. Et vous le verrez tout à l'heure, je vois qu'il reste peu de temps, donc ça va être très, très, très vite. Et donc, on est en train de travailler à la mise en place d'un quartier rural avec des maisons autonomes, nourricières, écologiques et déconstructives. Et puis, bien sûr, des activités autour de la transition. Aujourd'hui, sur notre petite ferme de l'Artel, on reçoit 400 personnes par an, des personnes qui viennent en visite pour apprendre un petit peu c'est quoi construire un écosystème coopératif territorial, mais aussi certaines personnes qui viennent en insertion, en immersion pendant 15 jours pour participer à nos activités et pour se donner une sorte de sens, de direction, qui viennent goûter comment c'est de vivre dans un écosystème coopératif territorial. Et pour vous dire, depuis le Covid, on refuse entre 3 et 4 personnes sur 5. C'est énorme. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a des gens très, très variés qui viennent nous voir et qui aimeraient bien changer de vie. Mais comme je vous l'expliquais au début, c'est compliqué pour eux parce que pour certains, ils ne peuvent pas quitter leur boulot, ils ne sont pas accompagnés ou très peu accompagnés. Enfin, notre ami Mathieu, tout à l'heure, vous parlera de la coopérative OSIS et le travail qu'il fait aussi pour accompagner ces personnes-là qui veulent quitter leur vie et en créer une nouvelle. Et puis aussi, on a bien sûr aussi relocalisé, on est en train de le faire la fonction énergie, parce qu'il ne s'agit pas de reconstruire des maisons gourmandes et de faire de l'énergie nucléaire ou de l'énergie qui détruit les humains et la nature. Donc, vous verrez, on travaille avec une petite commune à côté de chez nous pour créer une coopérative de production d'énergie renouvelable. Et sur le quartier de Trintel, on va créer plus de 1000 m² de panneaux photovoltaïques pour que le quartier soit non seulement autonome, mais en plus en capacité de fournir de l'énergie renouvelable aux habitants du territoire. Et puis derrière aussi, tout un ensemble d'activités autour de la mobilité en partage, puisqu'on va mettre à disposition aux habitants de ce quartier rural des véhicules en partage pour qu'ils partagent ces véhicules, qui seront bien sûr des véhicules propulsés par l'énergie renouvelable. Et bien sûr, ces véhicules permettront de baisser notre empreinte écologique. Et puis enfin, très important pour nous, l'entretien des communs. Donc l'idée, c'est justement grâce au revenu d'autonomie qu'on va distribuer, on est en capacité aujourd'hui de pouvoir permettre aux gens de s'occuper des communs et de prendre du temps pour s'occuper des communs parce que justement, ils ne seront pas obligés de travailler plus pour gagner plus, mais qu'ils auront déjà un revenu de base qui leur permettra de pouvoir se consacrer aussi aux communs. Et puis enfin aussi, on a une activité de collecte d'épargne. À travers une association qui s'appelle l'Abeille, qui va nous permettre de collecter de l'épargne et ensuite faire en sorte que cette épargne puisse s'investir soit en monnaie locale pour augmenter les revenus autonomes sur le territoire, soit s'investir dans l'appareil de production pour continuer à augmenter la production sur ce territoire. Alors, pour terminer, juste un rapide coup d'œil des différentes activités. Donc, sur la fonction s'alimenter, eh bien, on a une petite ferme de 12 hectares sur laquelle on a créé pas mal d'activités autour de l'alimentation saine. Sur le centre-bourg du petit village qui s'appelle Tournant, on vient d'inaugurer en avril une épicerie bio avec une quarantaine de producteurs où on peut en vendre les produits de tout le réseau des producteurs qui participent à la production de produits bio. Et puis, l'extension là qu'on va avoir bientôt, c'est la création d'un café associatif qui va nous permettre ensuite de pouvoir animer ce centre-bourg et de pouvoir diffuser des informations sur la transition à tous les habitants, parce que pour nous, c'est très important de faire cette médiation, cette transition, cette communication. Et puis pour terminer, avec, comme je disais, avec la Capelle Cabanac, qui nous a appelés d'ailleurs, puisque c'est eux
qui sont à l'origine de la production d'énergie renouvelable sous forme de coopératives de production. Et c'est pour vous montrer à quel point maintenant on est intégré sur le territoire. Et bien là, on va produire de l'énergie renouvelable qui sera vendue à municipalité locale et qui permettra ensuite aux personnes de pouvoir charger leur véhicule électrique en partage et donc faire baisser comme ça notre empreinte écologique et apporter des activités dans ces territoires sous forme de salariat pour certains ou d'entrepreneuriat pour d'autres. Et enfin, le dernier projet, c'est là d'où on vient de, je ne sais pas si vous voyez mon curseur, mais on vient de placer là sur le territoire, sur ce terrain de 4 hectares, les 400 premiers arbres, et c'est sur ce terrain qu'on va construire le premier quartier rural autonome, réplicable, puisque l'idée c'est d'en créer un peu partout dans des zones rurales, dans lequel on va retrouver un centre de formation en éco-construction, une zone d'activité d'écotouriste pour transmettre la transition à ceux qui le souhaitent, un centre de production agricole d'énergie, donc un ensemble de véhicules en partage électrique, et puis une zone d'habitation pour une trentaine d'habitants. Et pour le reste, je vous laisserai me poser les questions que vous souhaitez. Merci beaucoup de cet accueil. Bonjour à tous et à toutes. Déjà, je voudrais vous remercier de me donner l'opportunité de partager quelques réflexions avec vous et puis de le faire en présence de plein de personnes que je connais, que j'ai chance de croiser dans différents contextes. Et ce qui me réjouit là dans ces retrouvailles, c'est de retrouver à la fois des personnes avec qui j'ai cheminé dans l'engagement écologique, mais aussi dans l'engagement spirituel. Et je trouve que c'est beau de voir, ce n'était pas le cas il y a 10 ans, je peux vous l'assurer, c'est ces mondes qui se retrouvent autant aujourd'hui. Et ça, ça me réjouit parce que c'est un peu le cœur de mon engagement aussi à titre personnel. Moi, j'aurais envie non pas de vous raconter des histoires très précises sur ce que je fais au quotidien, mais plutôt de vous partager quelques enseignements de mon parcours qui m'a amené à croiser en fait des gens très différents. Et en particulier de discuter sur cette polarité de unité et diversité qui est mise au cœur du thème de ces assises, parce que j'ai envie de dire c'est un peu le grand thème de ma quête personnelle, quoi. C'est-à-dire cette rencontre de l'unité pour moi qui est un petit peu l'essence de la spiritualité. La spiritualité est une forme de quête d'unité, j'expliquerai un peu pourquoi. Et en même temps, l'écologie pour moi est un peu une quête de la diversité, c'est-à-dire l'écologie n'a du sens que si on permet la diversité et on arrive à l'articuler. Et donc cette polarité, unité et diversité, elle me parle beaucoup. Et donc je suis content de pouvoir échanger là-dessus. Déjà, donc j'ai insisté sur cette unité qui est peut-être au cœur de la démarche spirituelle, qui est une unité donc sur un plan spirituel, une unité sur un certain niveau de profondeur, alors que la diversité, elle est plutôt sur le plan de la manifestation, que ce soit la manifestation physique, mais aussi au niveau des idées. Et peut-être comme beaucoup de sujets, déjà, peut-être constatons que la modernité fait tout l'inverse du bon sens, c'est-à-dire qu'elle nie cette unité profonde et elle rend ça complètement relatif. Et à l'inverse, sur le plan plus relatif, elle tend à uniformiser. Elle nie la diversité parce qu'elle ne sait pas faire avec. C'est-à-dire que le monde moderne a créé des liens de par les transports, de par la rencontre d'autres cultures, de par les réseaux sociaux, etc. Mais plutôt qu'en faire un outil pour amplifier la diversité et l'articuler, aujourd'hui, avec la mondialisation, avec tout ce qu'on voit, y compris sur les aménagements des territoires, on a plutôt tendance, au contraire, à uniformiser et à détruire cette diversité. Parce qu'on ne sait pas comment passer d'une opposition à une polarité créatrice. Et moi, c'est quelque chose qui est vraiment au cœur de mon engagement, puisque je suis convaincu que le monde que l'on a construit est un monde qui doit laisser pleinement sa place à la diversité et qui doit, au contraire, affirmer cette diversité comme, au-delà d'une unité essentielle, ontologique de l'être humain, cette diversité comme la manifestation des nombreux chemins qui s'ouvrent à nous, pour trouver réponse à nos quêtes personnelles. Et ça, c'est quelque chose qui me travaille beaucoup parce que je suis assez inquiet de voir un monde qui s'uniformise ou alors qui met en spectacle cette diversité comme des clivages et des oppositions, une vision qui est souvent assez manichéenne. Donc, j'aurais envie aujourd'hui essentiellement d'échanger avec vous sur cette question de diversité et comment l'articuler, notamment parce que bon, le thème de l'unité a évidemment été très traité dans la première table ronde de la semaine dernière. Je vais en parler un peu, non pas au titre de mon engagement auprès d'AMA, évidemment, qui est le cœur de ma vie personnelle, mais plutôt au titre du parcours que j'ai eu et de la rencontre que j'ai fait avec des gens très, très différents.
j'ai été amené, donc, comme vous l'avez dit, à la fois à être ingénieur, donc à croiser les milieux scientifiques, les milieux techniques, à croiser les milieux militants, les milieux politiques et aussi les milieux spirituels. Et partout où j'ai eu affaire à ces personnes, bah, j'ai trouvé beaucoup de richesses. Et là où la société a tendance à opposer tous ces mondes-là, moi, franchement, j'ai souvent été assez circonspect à me dire, mais on ne peut pas arriver à construire un monde vraiment désirable et vraiment écologique, on n'arrive pas à créer cette rencontre et à comprendre que pour qu'une société puisse exister en bonne santé, il faut que ces mondes puissent dialoguer et coexister plutôt que se confronter en permanence. Donc ça, c'est, je pense, une des chances que j'ai eues, c'est-à-dire de croiser des gens très différents et finalement de trouver partout finalement une humanité en recherche finalement ce sont les mêmes sujets avec les mêmes questions qui empruntent des chemins différents, mais qui, avec chacun, avec sa sincérité propre, fait de son mieux. Et je travaille, et c'est un cœur de mon engagement encore une fois, de non seulement décloisonner là entre les traditions spirituelles, mais ça beaucoup de gens le font, mais aussi de décloisonner avec aussi d'autres milieux que ceux qui sont là aux assises, et de travailler avec ces gens-là, puisque je pense qu'il y a un enjeu à réussir cette articulation. Et ça, je le vis dans mon travail auprès des Oasis. Donc Terra fait partie du réseau Oasis, hein, qui rassemble même Karmaling aussi. Plus de 1000 lieux aujourd'hui qui sont des lieux extrêmement différents. C'est-à-dire que dans ce réseau, on rassemble des lieux qui ont des origines philosophiques, politiques, spirituelles très, très différentes. Mais on arrive néanmoins à faire réseau. Et je vous expliquerai un peu ce que ça veut dire que faire réseau. C'est-à-dire que sans nier la diversité, sans nier ce qui habite chaque personne, comment est-ce qu'on arrive à créer ce lien, enfin quelque chose qui soit fécond, qui soit créateur. Et une de ma plus grande fierté dans ce travail que je fais au quotidien, c'est quand je vois dans une rencontre, par exemple, interlieu, de voir un moine bénédictin et un habitant d'une ZAD échanger et se nourrir l'un l'autre. Ça, c'est quelque chose auquel j'aspire beaucoup, c'est de faire ces rencontres, parce que je suis persuadé que les expériences que chacun de ces lieux vivent ont une valeur. Et quand la rencontre se fait, au-delà des origines philosophiques, politiques, spirituelles différentes, eh bien, il y a quelque chose qui est beau et que, voilà, et c'est ça en tout cas qui me nourrit beaucoup dans mon travail. Mais au-delà de cette diversité entre les lieux, ce qui change aussi aujourd'hui dans tous ces lieux et ce qu'on expérimente, c'est qu'il y a une très forte diversité au sein même des lieux. C'est-à-dire que dans ces éco-villages, dans ces écolieux qui naissent partout, il n'y a plus une unité forcément dans la branche qu'on a du monde. Il y a des personnes qui ont des traditions différentes. Il y a des générations différentes, des personnes qui ont des engagements politiques très différents, et il faut faire avec ça dans les lieux. Et du coup, cette articulation de la diversité, elle est non seulement à un niveau macro, disons, un enjeu à réussir pour créer une société plus saine, et en même temps, à une échelle plus micro, dans nos collectifs, c'est ce qu'on vit. Et j'ai envie de dire, au-delà des enjeux techniques, juridiques, de construction, c'est quand même l'enjeu numéro un que traversent tous ces lieux aujourd'hui, ce qu'on appelle le facteur humain. En fait, le facteur humain, c'est avant tout la rencontre de notre diversité et comment on arrive à en faire quelque chose d'apaisé, qui ne soit pas des rapports de force, qui ne soit pas dans une vision d'opposition. Et donc, ce passer de l'opposition à la polarité, j'en parlerai pas mal, je pense, là, dans les minutes qui viennent, c'est un enjeu important pour moi. Et donc c'est là, ces lieux, et ça j'aurais envie de témoigner, d'inviter toutes les personnes présentes à aller creuser ça, ces lieux sont des laboratoires pour ça. Ces lieux expérimentent aujourd'hui à des échelles très différentes ce que ça veut dire que construire un monde avec une unité essentielle, qui est cette unité spirituelle, mais aussi ce monde de la rencontre créatrice, ce monde où la diversité est acceptée et bien vécue. Aujourd'hui, on est dans un monde majoritairement qui vit mal la diversité, qui la vit en opposition. Et je pense que c'est une des clés, parce qu'on parle beaucoup donc d'écologie. Quand on parle d'écologie, on parle évidemment du lien avec le reste du vivant. Et ça, c'est le cœur de mon engagement au départ, en tant que chercheur en climatologie. Je suis très engagé sur les questions liées au climat. Mais je pense qu'il y a aussi une écologie humaine, une écologie sociale, qui est une des clés pour arriver à une écologie plus globale. L'écologie, c'est une quête de diversité, de la même manière que la biodiversité et créatrice, et qu'on sait qu'une monoculture de céréales est quelque chose de dangereux sur le long terme, une monoculture idéologique, une monoculture humaine est aussi dangereux sur le long terme. Voilà, donc ça c'est vraiment quelque chose que ces lieux permettent de découvrir et de réfléchir, comment est-ce qu'on sort
d'une pensée que je définirais tout à l'heure comme continentale pour aller vers une pensée plutôt archipélique, une pensée de la rencontre, de la diversité. Cette articulation de diversité, j'ai envie de dire, pour chacun d'entre nous, elle est vraiment un chemin. Et je pense qu'au-delà de nos appétences et peut-être de notre travail sur soi que nous avons déjà fait pour la rencontrer, je pense que c'est un chemin qui est encore long pour beaucoup d'entre nous et qu'il faut continuer pour aussi continuer à décloisonner encore plus loin par rapport à la société. Et je pense que cette articulation, elle se joue peut-être à deux niveaux. Elle se joue à un titre personnel et à un niveau collectif. À titre personnel, c'est là où on rejoint l'essence de la sagesse et de la démarche spirituelle. C'est articuler la diversité, c'est aussi se désidentifier de sa propre histoire, de sa propre culture, de sa situation personnelle, pour vraiment rencontrer l'autre. Et c'est là où il y a tout le chemin spirituel de la démarche du témoin, donc de sortir de notre identification à notre ego, à notre histoire, pour aller se connecter à notre nature profonde, qui, elle, n'est pas colorée par ce qu'on a vécu, par nos histoires, par notre culture, mais est beaucoup plus à même de s'ouvrir à la rencontre de l'autre, sans colorer, sans filtre, sans prisme, sans biais aussi. Donc ce travail spirituel, il est nécessaire pour rencontrer la diversité et pour ne pas voir l'autre qui est différent, finalement, comme étant, entre guillemets, un ennemi, sans même s'en rendre compte. Et donc ça, c'est là où la spiritualité a beaucoup à apprendre, je pense, dans les milieux militants, dans les milieux écologistes, c'est qu'il y a aussi cette rencontre de la diversité humaine qui passe par un profond travail sur soi, l'identification à l'ego, et aussi une vigilance de ne pas faire de l'écologisme une nouvelle idéologie. Moi, c'est un de mes grands combats à titre personnel, c'est que je pense que si finalement, dans cette monoculture idéologique, on recrée une nouvelle idéologie qui combat les autres, est-ce qu'on aura vraiment gagné? Est-ce qu'on aura vraiment créé un monde écologique? Peut-être, et moi, je autant j'aime bien débattre sur les idées, autant les idéologies m'intéressent peu, finalement. C'est que souvent, quand elles se cristallisent et qu'elles se figent, elles deviennent parfois le contraire de ce à quoi elles aspiraient. Donc ça, c'est le travail à faire à titre personnel, comment rencontrer la diversité et comment se positionner dans cette culture du témoin, dans cette position du témoin intérieur, pour être d'identifier notre propre histoire, pour rencontrer la diversité de l'autre. Mais il y a aussi la diversité à un niveau plus collectif qu'il faut articuler. Et comme je vous disais tout à l'heure, les médias aujourd'hui mettent ça en spectacle dans une opposition et non pas dans une articulation. J'aurais envie du coup de partager quelques outils moi qui m'aident dans ce chemin. Et mon travail en fait est un bon terrain d'expérimentation de ces outils. Je n'aurai pas le temps forcément beaucoup de les développer, mais je vous invite, si ça vous intéresse, à aller creuser. Cette question de passer de l'opposition à de la polarité, c'est un travail que font beaucoup de personnes, notamment qu'a fait beaucoup Ken Wilber, donc un grand penseur américain moi, qui m'inspire beaucoup et qui a travaillé beaucoup, ça s'appelle la carte des polarités. Et en fait, c'est tout simplement voir en nous que très souvent, on met des choses comme des contraires, alors qu'en fait, c'est de la rencontre de ces contraires que deviendra quelque chose de positif. Si vous avez une pile, il faut un pôle plus et un pôle moins pour faire de l'électricité. Une pile qui n'a qu'un pôle plus, ça ne fait pas électricité. Dans l'air, dans l'atmosphère, si vous avez, c'est parce qu'il y a des masses d'air chaudes et des masses d'air froides que vous créez du vent et du mouvement. Et vous pouvez l'appliquer à beaucoup de choses. C'est la rencontre de nos polarités, de notre diversité, qui fait le mouvement et qui fait la création. Et ça, dans tout collectif humain, on va se polariser. Dans un collectif, même, vous prenez, je sais pas, un collectif anarchiste libertaire, il y aura ceux qui seront plus anarchistes que les autres. Donc, vous allez polariser. Les sociétés humaines se polarisent systématiquement. Et même dans nos collectifs, avec certaines valeurs, il y a des polarités qui vont s'exprimer. Et si on n'a pas des outils pour arriver à comprendre que l'autre qui a une polarité différente de celle que j'incarne est finalement non pas un ennemi, mais finalement l'autre polarité, l'autre pôle qui va permettre de créer cette énergie comme le pôle plus et le pôle moins d'une pile, eh ben on va juste finir par faire de ce facteur humain qui est quelque chose de difficile à vivre et quelque chose qui va plutôt être une souffrance pour nous. Donc, cette posture mentale de passer à la question de polarité, elle est essentielle. Et ça, il y a un outil que moi, j'utilise beaucoup, que certains peut-être connaissent pour travailler ça, en tout cas à l'échelle des collectifs et de la société, c'est ce qu'on appelle la spirale dynamique. C'est aussi un outil de Ken Wilber, que je vous invite à aller regarder. J'aurais pas le temps de le détailler, parce qu'il faudrait au moins 2 heures pour expliquer ce que c'est en détail, mais juste pour dire que ça part d'études qui ont eu lieu dans les milieux des sciences humaines aux États-Unis, il y a quelques décennies, pour essayer de regarder les systèmes de valeurs qui étaient à l'œuvre en nous. Et vraiment les systèmes de valeurs, non pas ce qu'on pense, mais comment on pense. Par exemple, un supporter de foot du PSG ou de l'OM, ils vont être en désaccord, mais ils ont peut-être le même système de valeurs derrière.
Donc et l'étude intéressante qui a été faite, système de valeurs, est arrivée à ce schéma de la spirale dynamique qui est extrêmement riche et qui nous enseigne aujourd'hui pas mal de choses sur ce qui nous attend. Il enseigne notamment que le mode orange dans la spirale dynamique, qui est le mode dominant aujourd'hui, le mode rationaliste de la compétition organisée, de la réussite individuelle, ce mode-là qui aujourd'hui pose clairement ses limites avec les questions écologiques, mais aussi les questions sociales, eh bien, il doit être transcendé par un autre mode de pensée. Et ce mode de pensée, il y a évidemment un mode de pensée qui est le mode vert, la spirale dynamique, donc de la bienveillance et de la coopération, de l'empathie, de l'écologisme. Mais au-delà de ça, il y a un mode encore après, le mode jaune, qui est le mode de l'intégration, ce que Camille appelle le mode intégral. Et moi, ça m'intéresse beaucoup travailler ça au niveau social et au niveau des collectifs, parce que cette outil de la spirale dynamique, il nous donne des clés. Donc, encore une fois, je vous invite à les regarder pour passer de ces polarisations à une véritable intégration. J'aimerais aussi donc citer cette citation d'Einstein qui, moi, m'inspire beaucoup parce qu'elle rejoint justement la spirale dynamique. Einstein disait « Il faut passer de l'idéal du succès à l'idéal du service. » Et ça explique précisément ce changement de paradigme qui est explicité par la spirale dynamique. Et enfin, pour conclure, je voudrais faire référence à un penseur qui revient au goût du jour, car il est descendu il y a peu de temps, qui est Édouard Glissant, un penseur martiniquais, d'ailleurs, qui s'est mis dans la campagne présidentielle. On n'entend pas beaucoup le mot de créolisation aujourd'hui, alors voilà, donc c'est avec des connotations politiques derrière. Mais Édouard Glissant introduit ce qu'il appelle la pensée archipélique, et je voudrais finir avec ça. Donc, c'était un penseur antillais, et qui a beaucoup étudié la différence dans nos modes de pensée entre les métropolitains et les antillais. Et il a manifesté ça avec ces termes de pensée archipélique et de pensée continentale, en pointant du doigt, avec une référence vraiment géographique, mais qui est plus dans un sens poétique que forcément un conditionnement lié à la géographie, mais qu'on peut avoir une pensée continentale, c'est-à-dire une pensée de l'uniformisation, du regroupement. Par exemple, le jacobinisme à la française, c'est-à-dire cette centralisation de l'État, est une pensée continentale. À l'inverse, on peut avoir une pensée archipélisée. À tout moment, vous allez voir que dans beaucoup de situations, vous pouvez observer si votre pensée elle est continentale ou archipélisée. Par exemple, quand on regroupe des initiatives comme les oasis, est-ce qu'on va créer une fédération d'oasis, c'est-à-dire recréer un continent, ou est-ce qu'on va créer un réseau, c'est-à-dire où chacun peut exister dans sa différence et sans engagement forcément vis-à-vis de l'ensemble du collectif. Et ce travail-là sur comment déconstruire en nous cette pensée continentale pour aller vers une pensée archipélisée, car moi, c'est quelque chose qui m'obsède, parce que j'ai la conviction aujourd'hui que dans nos enjeux politiques, dans nos enjeux de société, il faut construire une pensée de l'archipélisation. Parce que la pensée continentale aujourd'hui est très dominante et sans forcément la mettre en défaut par rapport à d'autres modes de pensée, il y a besoin d'articuler une pensée continentale et une pensée archipélique. Et donc, peut-être voilà, pour conclure, j'aurais envie de vous inviter effectivement à regarder ce grand chemin qui s'offre à nous, tout autant que retrouver l'unité profonde et la mettre en avant dans la société, de comment dans notre société nous arrivons à travailler pour articuler notre diversité. Et vous allez voir que c'est un long chemin, à titre personnel comme à titre collectif, qui peut être passionnant. Et pour finir justement en référence avec Édouard Glissant, il disait que c'est parce que nous sommes différents que nous pouvons apprendre et que nous pouvons créer. L'uniformité ne crée pas de l'apprentissage, ne crée rien. C'est la différence qui permet la création. Et du coup, je célèbre notre diversité et au-delà de notre propre réseau et de notre écosystème, de toutes ces traditions spirituelles et de nos engagements citoyens, je vous invite à nous ouvrir à la diversité plus large du monde. Merci. Ma brève introduction à la table ronde sera essentiellement un chaleureux remerciement à l'ensemble de nos invités. Vous nous avez beaucoup apporté par votre expérience, par votre richesse personnelle et par votre engagement, un engagement au quotidien. Dimanche dernier, le message essentiel qui nous a été adressé était celui de l'ouverture du cœur. Apprendre à regarder humblement ce qui demeure dans sa nature essentielle. On peut dire que dans ce domaine, il y a urgence. Jalaluddin Rumi l'a parfaitement exprimé dans une de ses citations, « Dans une vie aussi courte qu'un demi-soupir, ne plantez que l'amour. »
Aujourd'hui, nous avons fait un pas supplémentaire, celui de passer de la réflexion à l'action. Vos injonctions salutaires démontrent qu'il existe une voie capable de réconcilier les humains et leur environnement. Nous aspirons tous à un monde plus fraternel, plus juste, plus équitable. Zarina Khan, votre singulière destinée a fait naître en vous un enthousiasme contagieux. On pourrait même dire que chacune de vos paroles est comme un cataplasme capable de guérir de nombreuses blessures. Nous sommes invités à sillonner effectivement le ciel et la terre pour entendre leur chant. L'histoire nous amène aujourd'hui à ouvrir les yeux, plus que jamais, sur la réalité que nous écrivons à chaque instant. Lorsque les dérives actuelles mettent en péril nos aspirations à la paix, nous avons l'immense responsabilité de nos actes qui affectent le vivant. Pour caractériser votre engagement, Jean-Pierre Chompton, je fais volontiers appel à Edgar Morin. La vraie nouveauté naît toujours dans le retour aux sources. Connaître l'humain, c'est d'abord le situer dans l'univers, non l'en retrancher. Il est devenu vital de nous rapprocher des peuples racines, dont le dialogue participe à l'éveil d'une conscience planétaire, et vous l'avez tous évoqué avec beaucoup de justesse. C'est cette union fraternelle qui va créer un ciment entre les uns et les autres. Je dirais que pour encourager ce partage et ces échanges, la revue que vous avez créée, la revue native des peuples et des racines, est véritablement devenue une plateforme active qui porte avec force les voix à la fois des enseignements intemporels, mais aussi de tous ceux et celles qui se mobilisent. Bien sûr, Mathieu Labonne et Frédéric Bosquet, je ne puis dire que vous êtes de véritables bâtisseurs. Oui, véritablement, ce que vous nous avez donné démontre une fois de plus qu'il est possible d'agir. Vous êtes arrivé à cette imprégnation qui vous permet d'aider des collectifs citoyens à inventer et à développer des nouveaux lieux de vie. C'est absolument considérable. Et bien entendu, ce vaste programme demande, dans sa mise en œuvre, de nombreuses compétences. Pour faire émerger une autre forme de société, et là je reprends quelques-uns de vos mots, il s'agit d'apprendre à vivre plus simplement dans des territoires plus écologiques et plus solidaires. Notre ami Lundrup nous a rappelé, et c'est bien qu'il l'ait fait avec une telle force, que pour guérir les blessures du monde et renaître autrement, il convient de ne plus nourrir l'ignorance, les émotions perturbatrices, la saisie des pensées discursives. C'est ainsi que pourra à nouveau renaître les qualités naturelles de la nature humaine. Un grand merci à vous tous. Je passe la parole à Philippe Yacine, qui va maintenant animer la table ronde avec nos invités. Réactive ton micro, Philippe. Ah, pardon, mais il va activer. Si. Vous ne m'entendez pas? Allô, allô. Voilà, on t'entend. Oui, c'est là, bon. On t'entend, Yacine. Oui. Ah, d'accord. Alors, je disais, ben, merci Jean, merci à tous nos invités pour ces témoignages extraordinaires. Les témoignages d'hommes et femmes à la fois de réflexion, de méditation et d'action qui sont pour nous l'espérance. Dans la première session, comme vous l'avez dit, nous avons parlé des traditions millénaires ont conjugué au présent l'unité dans la diversité. Aujourd'hui, nous conjuguons au présent et pour l'avenir cette notion d'unité dans la diversité dans des expériences humaines capables de nous conduire vers un futur meilleur, vers une compréhension plus vivante, plus réelle
de l'existence à travers des expériences qui peuvent permettre à chacun d'entre nous de trouver des exemples d'espérance, et j'insiste sur ce mot parce que nous avons reçu des messages nous disant « mais n'est-il pas trop tard ?» Il n'est jamais trop tard. Dans la voie prophétique à laquelle j'appartiens, il est dit « si tu as quatre graines dans la main, plante-les ». Et cet exemple, c'est celui toujours de choisir la vie, de choisir le pari de l'existence, du partage, de l'amour, et non celui de la destruction. Je voudrais résumer quelque peu vos interventions et remercier l'Androup qui nous a rappelé à l'éternelle jeunesse de la sagesse dans laquelle nous pouvons nous régénérer et qui manque tellement, je trouve qu'il a bien fait d'insister, qu'il nous manque tellement dans cette société où on peine à trouver précisément l'endroit où on peut se régénérer et sortir, comme Mathieu l'a dit, des conflits dans lesquels on s'enquiste. Et on voit aujourd'hui l'exemple de la politique qui ne fait que reproduire des schémas anciens sans être capable d'en sortir. Merci Zarina aussi pour ton témoignage émouvant, le rappel évidemment de la folie meurtrière de l'intolérance et aussi de la puissance séculaire de ces traditions qui nous aident à nous structurer. Tu nous as rappelé la puissance du Verbe, celui qui permet de donner la vie, mais aussi de l'accueillir. Tu nous as rappelé cette grande maison que nous habitons tous et avec laquelle nous devons chacun composer dans ce vivre ensemble, dans ce cum, dans ce avec, que l'accouchement tu rappelais Socrate et la maïeutique de cet accouchement nécessaire. J'ai envie de te dire que toi aussi, tu es un soleil dans ce théâtre de la vie. Jean-Pierre, j'ai trouvé très touchant le témoignage de ces peuples premiers et en premier lieu de ce rapport émouvant et extrêmement profond du dialogue avec le vivant dont tu as parlé. Ce dialogue que notre éducation castratrice nous a coupé. Et que ces hommes-là nous rappellent qu'il y a une autre façon d'entrer en relation avec le vivant. Tu as rappelé aussi la question du temps, effectivement ce temps long où les générations, où une génération avant d'agir prend soin de se rappeler de des générations antérieures, mais aussi de celles qui arrivent. Et on voit bien aujourd'hui que nous, emprisonnés dans la vitesse de ce court terme, nous nous engageons dans des impasses qui sont effectivement dangereuses. Tu nous rappelles aussi que ces peuples premiers nous rappellent que l'écocide est une sorte de suicide collectif et qu'il est bon, à travers leur connexion à la nature, de redessiner véritablement cet enjeu entre liberté et enfermement. Nous avons à beaucoup à apprendre d'eux. Frédéric, ton témoignage et cette action vraiment inspiratrice et extrêmement dynamique a commencé par un challenge extraordinaire, réconcilier l'économie, la finance et la terre et l'humain. Et faire à la fois que ton initiative a commencé aussi par une sorte de réconciliation avec toi-même et que les deux sont liés. J'ai été touché par ce voyage dans ces communes qui disparaissent avec cette notion du commun qui lui aussi disparaît parce que ces communes disparaissent. Et ça me touche profondément parce que j'ai grandi dans un village
et j'ai vécu de près cette expérience. Ensuite, tu nous as rappelé et tu as mis en action ces écosystèmes participatifs, qui sont évidemment l'avenir. Il ne peut avoir de remplacement à cette logique continentale dont parlait Mathieu que celle de ces écosystèmes participatifs où chacun, évidemment, et tu nous l'as rappelé aussi, doit trouver sa place à travers aussi son expérience intérieure. Et vive les abeilles, vive cette monnaie qui féconde la vie. Alors que on voit bien que la manière dont le monde moderne manipule l'argent est un produit de la désespérance, produit de l'inégalité, produit de la mort par cet appétit insensé de quelques-uns au mépris de tous et au mépris de la nature. Merci de nous rappeler tout ça. Et je terminerai par Mathieu Labonne. Évidemment qu'il faut essayer, devant cette uniformisation du monde moderne, alors je ne sais pas si arriverai à le dire, de s'archépiliser, c'est trop compliqué pour moi. En tout cas, de cette nécessité de rencontrer la diversité à l'intérieur même des différences, c'est-à-dire de ce qui n'est pas de nous-mêmes. Et tu as beaucoup insisté sur, là aussi, la nécessité pour redécouvrir une écologie vivante et authentique, de sortir de ses limitations, de sortir de ses préjugés, pour aller à la rencontre de l'autre et de ne pas transformer l'unité essentielle qui vit au cœur de chacun d'entre nous dans une uniformité idéologique. Je ne voudrais pas trop abuser parce que le temps nous est compté. Je voudrais donc lancer cette table ronde à partir d'un constat positif, celle d'une société quand même qui a entendu quelque part vos discours. Et je citerai la directrice générale de l'UNESCO qui titrait une tribune en disant « Il est encore temps de faire la paix avec notre planète et avec le vivant ». Et aussi un géographe très connu, Sarano, qui dit « Il faut amener chacun à reprendre contact avec le vivant ». Alors, ma question, c'est toutes ces initiatives extraordinaires, toutes ces initiatives citoyennes que nous voyons aujourd'hui émerger, quel pourrait en être le dénominateur commun et en quoi la sagesse aurait-elle un rôle à jouer dans ce processus de reconnaissance mutuelle et de partage? On va commencer par Frédéric, s'il te plaît. Ton micro, on ne t'entend pas. Oui. Vous m'entendez là? Oui, ça y est. Alors rapidement, parce qu'on me dit qu'on n'a plus beaucoup de temps. Oh mon Dieu. Et donc très rapidement, pour moi, le dénominateur commun, je trouve que vous l'avez déjà dit dans le titre de ces assises, c'est l'unité dans la diversité. Et Mathieu l'a très bien résumé quand il parle de continent et d'archipel. C'est comment on construit une organisation qui permet à la fois de respecter les communs, c'est-à-dire de faire en sorte qu'on les respecte non seulement pour nous-mêmes, mais aussi pour les générations futures, mais comment on fait aussi en même temps, comme si c'était les deux faces d'une même pièce, comment on fait en même temps pour étendre les libertés individuelles de chacun, parce que c'est dans l'extension des libertés individuelles qu'on peut trouver à un moment donné sa propre voie, son propre chemin. Et finalement, comme le disait, je ne me souviens plus qui disait ça, celui qui cherchera le bonheur ne le trouvera. Celui qui cherchera Dieu ne le trouvera pas, mais celui qui cherchera le bonheur le trouvera sur son chemin.
C'était quelque chose comme ça que j'aimais beaucoup. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si on expérimente le chemin de son propre bonheur et qu'il grandit, à un moment donné, on va trouver quelque chose de très grand devant nous, c'est évident. Et je pense qu'une société devrait être en capacité de permettre à chacun d'expérimenter le chemin de son propre bonheur dans le respect des humains et de la nature. Et d'ailleurs, c'est vieux, parce que Jean-Jacques Rousseau, déjà, à l'époque, moi je suis un grand fan de Jean-Jacques, il avait une phrase énorme, enfin une phrase qui est indépassable de son temps politique encore aujourd'hui, qu'on n'a toujours pas réalisée. Je rêve de créer une association qui préserverait tous ses membres sans en priver aucun de sa liberté. Tout est dit. Je ne sais pas comment ce mec, à cette époque-là, vous imaginez dans quelle époque il a écrit ça, parce qu'il faut s'imaginer l'époque dans laquelle il a écrit ça. Et nous, 300 ans plus tard, on est toujours incapable de concevoir une société qui préserve les gens et qui leur permet, malgré tout, de rester libres. C'est quand même incroyable. Bon, voilà. Donc, je pense que c'est ça. Unité dans la diversité, extension des libertés individuelles et préservation des communs. Si on fait ça tout le temps, en même temps, je pense qu'à un moment donné, on devrait s'en sortir. Merci, Frédéric. Mathieu, qu'en penses-tu ? Alors, moi, ce que je constate, c'est que beaucoup d'initiatives dont on parle, elles explorent une échelle qui a été niée par notre système, c'est l'échelle de la relation. C'est-à-dire que le point commun, je pense, entre toutes ces initiatives, c'est qu'elles se situent à des échelles de la relation humaine. Si on prend l'exemple de la question climatique, la société, elle l'aborde soit comme des bons gestes individuels, soit comme des grandes messes politiques où il faudrait prendre des grandes décisions et des lois. Là, je crois qu'il y a une troisième voie entre l'individu et la nation, c'est la voie de la relation, c'est la voie du collectif, c'est la voie du local. Et c'est, je trouve, cette grande créativité qu'a la société civile, dont parlait beaucoup Pierre Rabhi, c'est d'explorer ce qu'on peut faire ensemble, en se connaissant et en créant de la confiance. Là où justement cette expérience, encore une fois, rejoint les sagesses, c'est que dans la relation, il y a tellement d'enseignements qui nous reconnectent aux grandes vérités que proclament les traditions spirituelles depuis des millénaires. Moi, je suis tellement heureux dans mon travail d'accompagner du coup des dizaines et des dizaines de collectifs qui n'ont pas à la base forcément un ancrage spirituel, mais qui, en travaillant ce fait de vivre ensemble, se dire, mais comment est-ce qu'on peut bien s'entendre? Comment est-ce qu'on peut arriver à faire micro-société à notre échelle avec notre diversité? Eh bien, il retombe sur tellement de choses que disent les grandes traditions spirituelles, la nécessité de travailler sur soi, de dépasser le déconditionnement de l'ego, la capacité à avoir des temps de centrage et aussi de retourner à soi-même, les rituels pour fonder une confiance commune. Voilà, je pourrais vous donner beaucoup d'autres exemples, mais je pense que quand on, un peu dans le même sens que dit venir Frédéric, quand on explore vraiment cette relation humaine, on retombe sur les enseignements qui sont déjà présents. Et moi, j'ai vu beaucoup de personnes aussi qui se sont réconciliées avec la religion ou la spiritualité par justement le fait de cette expérience citoyenne collective et la compréhension finalement que pour arriver à réussir ce qu'ils souhaitent, un monde plus écologique, plus juste au niveau social, il fallait finalement se reconnecter avec ces grands principes. Et c'est là où l'expérience, finalement, et c'est ce qu'on voit aujourd'hui, même dans ces tables rondes, elle rapproche les spiritualistes et les écologistes de plus en plus, parce que justement, l'expérience sur laquelle on se base maintenant davantage qu'il y a quelques années, elle nous montre à quel point il y a besoin de tout ça. Il y a encore 10 ou 15 ans, c'était encore assez confidentiel que beaucoup de mouvements spirituels s'emparent de la question écologique. Et de la même manière, les écologistes, sur leur palier de travail sur soi, il y a 10 ou 15 ans, je peux vous dire qu'on passait pour un illuminé. Et de voir qu'aujourd'hui, dans pas mal de mouvements, même très militants, cette question revient au centre, moi, je trouve que c'est bon signe. Voilà. Donc, il y a encore à décloisonner avec d'autres choses. Hein. Mais en tout cas, ce décloisonnement, il est en cours et il part effectivement de cette sagesse de la relation et de la rencontre de l'autre. Et ça qui est finalement à la portée de tout le monde. Merci. Tu as tout à fait raison de réinsister sur la nécessité de ce dialogue à la fois intérieur et extérieur, et que c'est au cœur de ce projet des Assises que de créer des ponts. Et ces ponts sont en train de se faire, parce qu'ils sont le seul chemin pour l'avenir. Il y aura un avenir que si les ponts entre l'extérieur et l'intérieur se reconstruisent, après qu'ils aient été détruits pour des raisons dont on prend conscience aujourd'hui, c'est-à-dire l'avidité, etc., que nous connaissons tous. Jean-Pierre,
Quel est ton point de vue sur cette question, sur comment cette sagesse peut nous aider dans ce processus de reconnaissance mutuelle et de partage autour de toutes ces initiatives qui naissent aujourd'hui? Oui, je pense que le facteur de, ou le dénominateur universel de tout ça, la relation est au cœur de ça. Ce que je disais dans les propos sur la sortir de la segmentation, revenir à une vision globale, revenir à un contact avec le vivant qui ne soit pas qu'un contact, j'allais dire mental, intellectuel, mais que ce soit un contact du cœur, du corps, etc. Je sais que des gens qui ont fait des expériences en forêt, par exemple, d'aller toucher les arbres, de sentir les énergies, de communier, on pourrait dire. Bon, je pense qu'on n'a pas la même attitude après vis-à-vis de ce qu'est la vie, quoi, en fait. Donc avoir une relation avec le vivant différente, en fait. Voilà. Et c'est là que les peuples autochtones peuvent nous aider à ouvrir ce champ-là, et la spiritualité, hein, puisque tout ça c'est lié. C'est que chez eux, ce rapport au vivant est naturel. Nous, on aurait besoin de le réapprendre, mais en fait, on l'a au fond de nous. Hein. C'est juste qu'on l'a enfoui sous des couches d'éducation. Je sais pas comment dire autrement. C'est notre éducation qui a enfoui ça, en fait. Mais si vous vous rappelez tous, chacun, comment on était enfant émerveillé devant la nature, devant la mer, devant la pluie, etc., c'est ça, en fait. L'émerveillement. Merci de nous rappeler. Tu as raison, merci de nous rappeler à cette fitra, comme disait Sophie, à cette nature primordiale qui est à chacun de nous et qui est effectivement des couches de conditionnement, en fait, en obturé, mais qu'on peut retrouver. Et ce qui est grave aussi, c'est que non seulement, mais on l'a nié, en fait, ça. On a nié l'être que nous sommes tous, en fait. Bien sûr. Zarina, merci de nous donner ton point de vue. Oui, Philippe. Moi, ce qui m'a énormément touchée dans la présence des autres intervenants, c'est que nous sommes tous sur Oikos. Nous sommes tous sur Oikos, sur la grande maison, en créant tous ces écosystèmes, ces écolieux. Nous sommes réunis dans cette synergie absolument urgente et nécessaire. Et j'ai envie de dire que la relation, bien sûr, elle passe. Tu as dit tout à l'heure que j'avais rappelé le verbe, mais elle passe par le dire. Le dire quelquefois en silence, mais écouter l'autre, c'est se relier à lui. Écouter son silence, écouter sa peine, écouter sa joie, c'est accueillir l'autre en soi. Mais c'est aussi écouter la sienne et oser se dévoiler. C'est-à-dire quand on dit « bonjour, comment vas-tu ?» Comment ça va, le ça va, hein, qu'on envoie comme ça, c'est tout à coup être capable de dire ça ne va pas parce que le monde me fait mal, parce que c'est difficile d'avancer sur ces chemins. Ils sont ardus, ils sont beaux, ils sont l'émerveillement, bien sûr, que c'est la clé parce qu'il y a une puissance extraordinaire. Et je voudrais aussi rappeler que là, nous parlons au présent, mais que le passé nous apporte. Le passé est exemplaire aussi. Dans l'histoire, il n'y a pas que des horreurs. Il y a aussi l'exemplarité de ceux qui nous ont précédés. Et donc, c'est écouter l'histoire, mais au-dedans. On le disait tout à l'heure, in cantare, ce chant du dedans. C'est-à-dire écouter l'autre, et il murmure, et tout à coup, sa voix va devenir d'une puissance extraordinaire. Et c'est ça qui nous relie les uns aux autres. Mathieu parlait de spirale et c'est également ça qui me paraît une clé de notre relation parce que tout se passe actuellement en cercle, mais les cercles sont fermés parce que des murs se sont élevés et à partir du moment où les cercles partent en dynamique et en spirale, alors là tout à coup le chant se fait. Cette symphonie que nous jouons ensemble. Mais en écoutant et en lisant la partition de ceux qui nous ont précédés.
Je suis arrivée tout à fait par hasard à Mirabel, dans ce village, dans une zone rurale complètement désertifiée. Et c'est vrai que j'ai regardé l'histoire, puisque je voulais écrire une itinérance théâtrale dans ce village d'une beauté rare. Et j'ai découvert, par ce hasard qui n'existe pas, deux choses extrêmement importantes. C'est la citadelle où habitait Olivier de Serres. Olivier de Serres, cet agronome qui, il y a 400 ans, a écrit le théâtre d'agriculture et le ménage des champs, qui, il y a 400 ans, sans prononcer le mot d'écologie, nous a donné la science de l'écologie, parce qu'il n'a eu de cesse de parler de la relation entre l'humain et le vivant qui l'entoure, et de l'agriculture. Et sa grande phrase, si on ne connaît pas, je vous la donne, c'est « la diversité de l'agriculture fait sa force ». Donc on est encore dans cette unité due à la diversité. Et l'autre chose extraordinaire que je découvre ici, toujours par hasard, c'est que sur l'éperon rocheux de cette citadelle se dressaient deux châteaux, un catholique, un protestant, et qu'entre les deux châteaux, pour dire au monde entier, au XIIIe siècle et jusqu'au XVIe siècle, les seigneurs ont construit un pont avec les paysans qui étaient tous dans une mutualisation des biens et du commun. Et là, je me sens portée, parce qu'actuellement, là, on crée une cité avec notre association, avec les, sur les terres d'Olivier de Serres, mais une cité qui est portée aussi par ceux qui l'ont bâti et qui nous ont enseigné, on marche dans leurs pas. Donc le futur, il se fait dans ce présent qui déjà n'existe pas et qui est déjà le futur. Merci Zarina. C'est un rêve magnifique que je pense nous réunit tous. Merci, merci, merci Zarina. Merci de nous rappeler cette histoire, tu as raison. Dans le passé, il y a beaucoup d'expériences utiles. Frédéric Landrup, si tu veux conclure cette table ronde rapidement. Tu n'as pas ton micro. Oui, ben, je pense que beaucoup de choses ont été dites. Donc, ce qui me paraît commun, le dénominateur commun, je pense qu'il existe et dans l'expérience que vivent toutes les personnes qui s'investissent de cette façon, qui sortent des sentiers battus d'une certaine manière, des polarités qu'a évoqué, des antagonismes enfermants, là, donc qu'a bien évoqué Mathieu, et qui sortent du précaré, préconstruit, prémâché, et qui vont vers cette aventure, je pense qu'ils partagent d'abord une expérience. Et une expérience avec cette quête de bonheur, cette quête d'harmonie, cette quête de partage, cette quête de communion aussi. Et je pense qu'on pourrait. Et c'est difficile de partager cette unité parce que, comme tu l'as bien dit, Mathieu, il y a une crainte d'être enfermé dans une vision d'unité. Qui peut être utilisé, instrumentalisé pour des raisons de pouvoir ou de domination, etc. Mais elle peut l'être si si elle se détache de l'expérience. C'est ça que je veux dire. Et néanmoins, je pense que c'est intéressant d'essayer de travailler à cette unité, même au niveau, à tous les niveaux, au niveau bon, spirituel. Et puis aussi, ce que j'ai remarqué, ce qui était très intéressant, c'est que ce que tu disais, Fred, et ce que tu disais aussi, Mathieu, et ce que disaient Jean-Pierre et Zarina, c'est que finalement, la rencontre et la difficulté de la vie collective, où justement, il y a moins de filtres, où on est amené à être en contact avec l'autre et les difficultés, les conflits, la diversité amène nécessairement un besoin d'intériorité. Parce que sinon, on n'y arrive pas. Simplement on est obligé de créer aussi l'oasis en soi. Et donc là aussi, il y a peut-être quelque chose qui fait partie du commun de toute cette quête, finalement
le défi du collectif amène à entrer aussi à l'intérieur de soi. Enfin, voilà, quelque chose. Et l'inverse. Voilà. Alors, nous allons passer aux questions, mais il nous reste peu de temps, donc on va devoir rester sur une question par invité. Je vous demanderai, pour ceux qui débordent, de bien rester dans le temps, s'il vous plaît. je vais commencer par Frédéric et une question qui nous est posée à propos de la monnaie locale qui circule. C'est des interrogations, hein. La question est faite comme ça. La monnaie locale circule dans la communauté, point d'interrogation. Les personnes restent dans le système bancaire et financier de l'euro, etc. Donc comment ça s'articule, cette idée de monnaie locale? Alors, oui, bien sûr, la monnaie que nous on utilise, c'est ce qu'on appelle une monnaie complémentaire locale. Donc c'est une monnaie qui est complémentaire à l'euro. L'objectif, ce n'est pas de supprimer l'euro, mais de le remettre au service des territoires et du vivant. Et pour ça, pour chaque euro, en fait, on l'enlève du compte bancaire classique et on va le déposer sur un compte épargnétique. Et quand il est déposé sur ce compte épargnétique, nous, on utilise la NEF, la Nouvelle Économie Fraternelle. C'est une banque avec qui on a passé un partenariat. Et donc, on met cet euro sur un compte épargnétique. Et en échange, on émet une unité de monnaie locale citoyenne qui va se mettre à circuler sur le territoire et irriguer le territoire de vie de ces échanges, en fait, qui vont être au service des humains et de la nature. Pourquoi? Parce que tous les acteurs locaux qui ont été agréés l'ont été par un comité local d'agrément qui vont agréer ces acteurs locaux pour le respect des humains et de la nature. Et donc, ça veut dire que quand on va dépenser nos abeilles, ce sont des abeilles, eh bien, on sait que ces abeilles, elles vont tourner dans l'économie locale et elle sait qu'elles vont générer des biens et des services respectueux des humains et de la nature, puisque seuls les acteurs qui ont été agréés peuvent recevoir cette abeille. Et bien sûr, avec l'argent qu'on a épargné, on a un partenariat avec la NEF, donc cette banque, qui double nos investissements en fait dans le territoire. C'est-à-dire à chaque fois qu'on place 1 euro en abeille sur le compte épargnétique, la NEF s'engage à investir 2 euros dans le territoire. Donc, c'est aussi un outil d'investissement au service des entreprises du territoire. On fait les deux. Donc, non, on ne veut pas quitter le monde, nous. On veut le transformer, le métamorphoser. On veut rester dedans, au contraire, bien accroché. Merci. Merci, Frédéric. Une question qui est venue et qui, je pense, doit être partagée par beaucoup, elle est pour Jean-Pierre. Je la cite telle quelle. Mon compagnon et moi partageons entièrement ce point de vue, c'est-à-dire celui des Kogi et le tien, Jean-Pierre. Comment, à titre individuel, agir pour un plus grand impact sur la planète, ou bien devons-nous nous contenter d'être qu'un petit colibri? C'est-à-dire, quelle marge de manœuvre avons-nous pour essayer d'impacter plus grandement sur la planète, ou comme ont beaucoup de personnes ce sentiment de faire peu, trop peu, et finalement d'être inutile? Alors, je crois pas à l'inutilité de quoi que ce soit, de toute façon, hein, et à l'impact de toute chose, ce qu'on appelle l'effet papillon, je l'ai déjà, on l'a tous expérimenté. Des fois, on ne fait pas attention, mais on l'a tous expérimenté, hein. Donc, quelle que soit la nature de l'acte qu'on fait et l'importance qu'on le juge, je crois que tous les actes sont nécessaires. Après, si on revient à cette question de base, je pense qu'aujourd'hui, les sujets dans lesquels on peut investir sa vie, son temps, leur argent pour ceux qu'on a, etc., ne manquent pas, que ce soit ici en France, ou sur la planète. Moi, j'ai vraiment ce sentiment chevillé au corps depuis des années que c'est un problème de niveau d'être qui nous fait défaut, en fait, individuellement et collectivement.
J'ai été dans pas mal de collectifs dans ma vie. J'ai eu beaucoup d'amis qui sont les collectifs et des fois, on partage, par exemple, le fait que les processus de fonctionnement d'un collectif humain, même de gens orientés vers des causes fortes et des causes signifiantes, n'est pas simple. On peut le citer parce que c'est public. La gouvernance de la Croix-Rouge, à une époque, je ne sais pas ce que c'est aujourd'hui, ça a été un énorme bazar, par exemple. Donc, c'est vraiment individuel et collectif. Hein. Et c'est vrai que ce que j'appelle les grands frères, c'est-à-dire les autochtones, ont dans les modes de processus qu'ils expérimentent des choses dont on pourrait s'inspirer. Ils sont dans des processus de décision extrêmement longs, lents. On jugerait extrêmement lents. Je me rappelle par exemple des fois d'être face à une question le soir, un des Indiens qui a la réponse, et puis le surlendemain, deux jours après, 36 heures après, il te dit, tu te rappelles la dame qui a posé la question, qui était au deuxième rang, etc. Je dis, bon, entre-temps, elle a fait deux conférences, etc. Non, et là, il te donne la réponse. Et la réponse, elle a un poids, une signification extrêmement forte. On revient toujours à cette histoire de temps long, en fait. Hein. Et quand ils prennent une décision, très souvent chez ces peuples-là, la décision, elle est partagée, elle est monitorée, c'est-à-dire qu'ils savent qui va faire quoi, etc. Et quand on les regarde après agir dans la nature, ils vont plus vite que nous, par contre, parce que dans le processus de mise en place, comme ils ont passé beaucoup de temps dans la réflexion, ils ont identifié des sujets, des angles que nous, on n'a pas vus. Et nous, on construit un pont et on se rend compte au milieu du pont qu'il y a un truc qui ne va pas dans les fondations, dans je ne sais pas quoi, dans le truc. Voilà. Ben, eux, non. Donc, c'est sûr que c'est individuel, collectif, mais c'est lié à un niveau d'être. Merci, Jean-Pierre. Maintenant, je vais m'adresser à Mathieu. Et ça, c'est une question qui vient de nous, puisque nous avons rendu hommage à Pierre Rabhi. Et en parlant de Pierre Rabhi et de tous vos livres, je vous invite évidemment à tout le monde à partager toutes vos lectures que vous retrouverez sur le site, mais aussi d'apprécier les carnets d'alerte, cette collection qui est animée par Juliette Duquesne et dont Pierre Rabhi a été très proche dans ce travail. Donc ma question, c'est, nous venons de rendre hommage à Pierre Rabhi, que tu as bien connu, et en quoi cet homme hors du commun a-t-il inspiré ta démarche, en particulier ta prise de responsabilité dans les diverses associations dont tu as parlé? À titre personnel, je pense que Pierre m'a aidé, évidemment, très relativement par rapport à ce que j'ai vécu aussi dans mon chemin spirituel auprès d'Ama, mais il m'a aidé aussi à réconcilier ce chemin de l'écologie et le chemin de la spiritualité. Donc Pierre avait cette capacité à inspirer. Il avait, comme l'a dit tout à l'heure Lundrup, une capacité à trouver des termes et des formulations qui touchent. Et donc il m'avait touché, notamment son livre du Sahara aux Cévennes qu'il avait écrit avait été une lecture pour moi quand j'étais étudiant qui avait été très inspirante. Mais là, ce qui me vient et ce que j'ai envie de partager pour avoir été assez proche de lui, c'est pas tellement ce que j'ai apprécié chez Pierre, c'est pas tellement Pierre le penseur, c'est pas tellement Pierre qui a créé les organisations, c'était vraiment Pierre au niveau humain. Et je pense que ce qui a été salué notamment au moment de son décès par beaucoup de proches, c'était à quel point, je disais tout à l'heure, la capacité à aimer l'autre était vraiment au cœur de son approche. Ça lui a été beaucoup reproché, hein. Pierre a été beaucoup attaqué parce qu'il parlait avec tout le monde. Donc, je trouve c'est intéressant, au moment de son décès, il a été à la fois encensé et aussi il a été extrêmement critiqué. Et je pense qu'il a été souvent mal compris, mais en particulier, parce que moi, je me rappelle, pour donner un exemple, il y avait le patron de Leroy Merlin, donc, voilà, qui voulait rencontrer Pierre, et du coup, organiser une rencontre entre Pierre et ce grand patron, qui est d'ailleurs quelqu'un qui était très chouette, ceci dit. Mais j'étais là, on était juste trois chez Pierre en Ardèche, hein, sur un petit banc... un petit banc de bois dehors en train de discuter. Et en fait, Pierre, il oubliait qu'il parlait à un patron du CAC 40. Pierre, il parlait à un être humain et il arrivait à le toucher parce qu'il s'adressait à une personne et non pas à une fonction ou à un rôle. Et c'était, moi, ce que je retiens de Pierre, c'est qu'il a vraiment mis, au-delà de l'écologie, il a vraiment mis
l'amour de l'autre au cœur de son engagement. Il y a tellement d'histoires, même de conférences où des gens qui vont lui parler, il fallait carrément l'extirper pour qu'il arrête de vouloir rencontrer l'autre, et même parfois de se faire du mal, même dans la rue. Dans la rue avec Pierre Rabhi, les gens venaient lui parler, et c'est la seule personne à ma connaissance que j'ai rencontrée qui a cette capacité, tout d'un coup, dans une discussion pendant un quart d'heure, alors qu'il avait un rendez-vous après, quelqu'un qu'il ne connaissait pas et qui venait lui parler. Et c'est ça que j'aime chez Pierre et que j'ai beaucoup aimé, c'est qu'au-delà de sa pensée et de son engagement, il a réussi à créer ce lien. Voilà. Et donc, c'est ça que j'ai envie d'honorer en pensant à lui, et c'est ce qui m'inspire. Je pense que c'est malgré sa renommée, sa reconnaissance, malgré le fait qu'il touche des centaines de milliers de personnes, il arrivait à être disponible pour l'autre et pour la relation directe et pour ce qui se passait à un instant T. Et ça, je voudrais saluer ça. Voilà, sans diminuer évidemment sa pensée qui nous a beaucoup nourris. Mais je pense que je retiens surtout, c'est à quel point Pierre, au-delà d'être un penseur, c'était un humain. C'était quelqu'un qui aimait l'autre et qui a touché beaucoup de monde aussi dans son entourage grâce à ça. Voilà, et donc avec ses contradictions. Voilà, c'était pas, pour moi, Pierre n'était pas un grand sage au même titre que des grands maîtres spirituels. Mais Pierre, il nous montre un chemin d'humanité pour nous tous et nous toutes qui est la voie de l'amour. Et dans ce sens-là, bah, il rejoint évidemment peut-être le message peut-être le plus connu d'Ama, quoi, cet engagement dans la religion de l'amour. C'était, je pense, la religion que suivait Pierre aussi, quoi. Merci. Merci. J'ai eu l'occasion de passer 15 jours avec lui dans le désert, la grâce de passer avec une équipe merveilleuse, et ça reflète exactement toute ton expérience et ce que tu viens de dire. Alors, le temps. Zarina, s'il te plaît, je suis partagé, on avait une question sur tes projets, mais il y a une question qui vient et qui est très intéressante, parce qu'elle touche au féminin. Elle dit, peut-on entendre le mot sagesse comme la manifestation du principe féminin de Dieu sur la terre? Et pourquoi cette rencontre qui ensuite nous accompagne durant la vie? Donc la question centrale, c'est, est-ce qu'on peut entendre le mot sagesse comme la manifestation de ce principe féminin sur terre ou en nous? Waouh. Oui, je vais être très courte. Oui, parce que de toute façon, nous sommes tous dans justement cette spirale qui nous anime du féminin et du masculin, que la source, elle est féminine et masculine, mais elle est... Parce que quand on dit féminin et masculin, il y a encore une dualité. Alors que ce vers quoi nous tendons, je crois, à présent, c'est vers l'ensemble, vers... il n'y a plus de dualité. Il y a une unité en chacun de nous, du féminin et du masculin. Si nous sommes capables de reconnaître ces deux parts, nous sommes effectivement dans le divin qui est en chacun. Et c'est la seule chose qui me gêne dans la question. Il y a pas, pour moi, il n'y a pas de féminin, il n'y a pas de masculin, il y a cette verticalité de l'être, avec cette verticalité en mouvement incessant qui nous tire dans nos quêtes, qui est vraiment une locomotive de toute beauté, qui nous permet de toucher les univers et d'apprendre de chacun d'entre nous. Donc j'ai envie de dire oui, bien sûr que le féminin est présent, mais voilà, ne séparons pas, cessons de séparer, soyons un. Philippe Yacine, il est extrêmement féminin aussi, dans sa façon d'écouter, de rire, de dire, d'accoucher les autres. Voilà, je prends un exemple pour dire que nous sommes tous cet ensemble relié. Tout à l'heure, l'un d'entre vous disait les étoiles entre elles communiquent, et nous communiquons entre nous, au-delà de tout ce qui nous sépare. Et c'est vraiment ça que j'ai envie de vivre avec vous tous dans ce monde.
C'est cette union, cette unité magnifique qui nous permet cette alchimie de tous les malheurs, de toutes les barbaries, parce que nous les surmontons, parce que nous sommes dans cet ensemble. Merci, merci. Tu parlais de Socrate tout à l'heure et maintenant tu me rappelles l'androgyne primordiale de Platon, de cette unité vers laquelle finalement, même sans le savoir, nous tendons tous. Merci, merci. Frédéric Lombroup, une question pour conclure ce temps de questions rapide avant les conclusions. Quel est pour toi un mode de vie qui soit précisément le reflet de la sagesse dont on parlait, puisqu'on parle d'expérimentation dans l'existence. En un mot, la sagesse n'appartient pas du coup à une catégorie sociale ou à une catégorie professionnelle, donc bien entendu. Mais néanmoins, un mode de vie, comme je disais tout à l'heure, qui associe un travail sur soi, qui aille vers la connaissance de soi et une relation généreuse et sensible avec le monde et les autres. Et puis, et peut-être au cœur de tout ça, quand je parle d'un travail sur soi, ben, je suis content de partager avec Frédéric aussi une pratique de méditation, je pense que, et Pierre, je me souviens ici sur un banc en Avallon, disait oui, en effet, on a besoin de méditation aujourd'hui, on a besoin de méditer aujourd'hui, et je crois qu'on n'arrive pas à grand-chose en termes de connaissance de soi et de véritable altruisme, c'est-à-dire de communion et de communication avec l'autre si on ne pratique pas la méditation assise. Donc, c'est pratiquer les assises de la sagesse, c'est-à-dire pratiquer la pleine présence assise. Un peu, beaucoup, 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 et plus beaucoup qu'un peu. Voilà. Merci, merci. Mais oui, le retour vers le chemin de l'intérieur passe par ce silence, par cette concentration, par cette remise au centre. Oui. Bien. Maintenant, avant de conclure, juste un petit mot à tous ceux qui ont adressé des questions dans la première et dans la deuxième session. Ne soyez pas frustrés, nous allons les transmettre à nos divers invités et nous mettrons à la fois vos questions et leurs réponses sur le site. Donc, regardez le site et il y aura des réponses à toutes vos questions. Et merci à tous nos invités de bien vouloir leur répondre. Donc, je laisse à toi, Frédéric, la conclusion. Bon, ce n'est pas une conclusion, plutôt ça serait il faudrait faire une introduction à la sagesse dans la vie. Donc, c'est comme, je sais que souvent, en plaisantant, lorsque on conclut une retraite, vous savez, une retraite de méditation, donc on conclut en rigolant, en disant, ben oui, la retraite commence maintenant, à la fin. C'est-à-dire que ça veut dire que c'est ce que j'essaye de dire, c'est que nous puissions l'appuiser dans cette rencontre, qui est une des nombreuses rencontres qui nous a reliés dans le passé, soit un terrain, un trampoline de plus pour nous rencontrer de nouveau prochainement dans nos activités, et qu'elle soit aussi une source qui renforce notre capacité de coopération, de collaboration et qu'elle contribue à augmenter la sagesse dans notre cœur, dans notre esprit et autour de nous. Et voilà, j'ai les assises de la sagesse, donc on proposera certainement l'automne prochain une nouvelle session et puis on va être amené à faire certainement un bilan de tout ce qu'on a pu méditer, partager ensemble et puis voir quelles sont les idées qui émergent. D'ailleurs, si vous en avez, elles sont bienvenues pour continuer
à œuvrer dans ce sens, un sens de, qui soit créatif et qui maintienne la sagesse dans sa, sa jeunesse et sa vitalité. Voilà. Merci, merci Lomroup. Merci. Oui, nous avons besoin de cette sagesse. Ça, je crois que c'est le constat partagé par, par nous tous ici, mais je pense aussi par beaucoup, beaucoup de gens, même si on n'ose pas le dire, mais à bien considérer, je pense que beaucoup de gens ont pris, prennent conscience de jour en jour de la nécessité de cette sagesse.